Wow. Push me up. Exactement. Wow. Stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Hello tout le monde, bienvenue à vous sur le plateau de Push Me Up. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus ce vendredi avec les merveilleuses chroniqueuses. Vous allez bien? Ça va super, et toi? Yes. Très bien. Et on a un magnifique public. Coucou public! Vous allez bien? Vous êtes contents d'être là? Ah, ça c'est cool. Nous sommes ravis de vous retrouver ce vendredi. Nous allons aborder un sujet qui est tellement important. Un sujet qui va véritablement vous booster juste après, parce que nous allons vous donner des clés, d'accord, qui vont vous booster, qui vont vous bénir, qui vont véritablement vous aider. Et avant même de pouvoir commencer quoi que ce soit, j'aimerais honorer la personne qui me donne l'opportunité de pouvoir présenter cette émission, le pasteur Paulette Tengue, l'animatrice en chef, notre mère spirituelle. Merci beaucoup, maman, pour l'opportunité. Vraiment, nous t'aimons très, très, très fort et on espère que tu vas bien là où tu es. Et comme vous le savez, je ne suis pas toute seule sur ce plateau. Je suis avec les merveilleuses chroniqueuses. Hein? Un joli sourire. À ma droite, il y a Maëlys. Comment tu vas, Maëlys? Coucou, ça va super, et toi? Ça va très, très bien, merci. Alors, c'est une grâce de pouvoir être de nouveau sur le plateau. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Et en tout cas, je remercie le pasteur Paulette, voilà, pour l'opportunité. En tout cas, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet très, très, très important. Et on va vous donner plein de clés au travers de cette émission. Donc, franchement, partagez autour de vous afin que le plus de personnes puissent voir cette émission. Et voilà. Merci beaucoup, Maëlys. Et juste à côté de Maëlys, nous avons Rebecca. Yes, yes. Hello, hello. Bonjour, hello, à Rebecca. Tous. Bonjour, chers internautes. Du coup, moi, c'est un privilège et un honneur pour moi d'être parmi vous. C'est vrai que moi aussi, du coup, ça fait longtemps que je n'étais pas là, mais me voici. Et je crois véritablement que cette émission va vous bénir. Donc, partagez au maximum dans vos forums, partout, sur vos réseaux sociaux. Donc, quelqu'un doit entendre ça. Yes, c'est vrai que quelqu'un doit entendre ça parce que ce sujet-là, il est tellement important, allez-y, partagez autour de vous, partagez dans les groupes de famille, dans le groupe de prière, dans le GR, partagez à vos parents, d'accord? N'hésitez véritablement pas à donner une parole ce midi à quelqu'un, d'accord? Et juste à ma gauche, nous avons Emma. Ça va, Emma? Hey, ça va, et toi? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureuse d'être là ce midi. Merci au pasteur Paulette qui nous donne cette opportunité de faire cette émission, qui va parler de l'échec, un thème très important d'ailleurs. Je pense que chacun d'entre nous, on est déjà passé par un échec et on s'est parfois demandé comment se relever. Et ben, aujourd'hui, on va vous donner des réponses. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous afin que le maximum de personnes soient bénies. Amen, amen. N'hésitez pas à partager. Juste à côté des mains, nous avons Estelle. Ça va, hello, Estelle? Ça va, et toi? Ça va très bien. Ça va super. En tout cas, comme toutes les chroniqueuses, je suis vraiment honorée et à rendre grâce à Pasteur Paulette pour l'opportunité que c'est d'être là, présente en tant que chroniqueuse pour cette émission. Et comme on l'a vu, on va parler de l'échec, comment se relever, et surtout on va aborder plusieurs thèmes, parce que oui, les échecs, c'est dans plusieurs domaines, on va aussi le définir. Et n'hésitez pas aussi à interagir avec nous, à dire vos définitions, peut-être vos témoignages, ça pourra en édifier plus d'un. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve pour ce live. Vraiment, soyez là avec nous, posez des questions et vos vies vont changer, des clés vont être données et ça va être super édifiant. Amen, amen, amen. Bon, soyez là avec nous, ils sont déjà là. D'ailleurs, je veux vous saluer. Coucou Axel, coucou Melvin, coucou Aiden. J'espère que c'est comme ça que l'on dit ton prénom. Coucou Riben, coucou Plamedi, coucou Rachel, coucou Naomi, coucou Dorcas. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous en tout cas. Comme on l'a dit, aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est très 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 important, l'échec, comment se relever, parce que vous savez, la plupart d'entre nous, nous avons rencontré des échecs, nous avons rencontré des situations, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va s'en sortir par la parole, qui va être libéré en tout cas ce midi. Voilà pourquoi je t'encourage à partager ce live autour de toi, à partager dans des groupes de famille comme je le disais tout à l'heure, mais en tout cas permet à quelqu'un en fait de recevoir une parole qui va la booster, une parole qui fera en sorte qu'elle puisse se relever, d'accord? Alors, nous allons parler de l'échec.
globalement parlant, si nous essayons de définir un peu c'est quoi l'échec, on sait que l'échec, c'est un résultat négatif, d'accord ? Surtout un résultat auquel on ne s'y attendait pas. Mais comment vous définirez-vous l'échec ? Comment vous le définissez ? Allez-y. Hein. Moi, personnellement, je prendrais l'échec pas forcément de quelque chose comme négatif. En fait, je prendrais ça comme une leçon, personnellement, parce que je me dis que selon ta réaction, bah, ça va amener bah, forcément des résultats. Donc pour moi, déjà, je ne verrais pas forcément quelque chose de négatif. C'est vrai que ce n'est pas agréable d'être dans l'échec, mais je pense qu'il faut s'en servir. Et je pense que ce n'est pas forcément que du mauvais par rapport à ça. Et d'ailleurs, les internautes, n'hésitez pas à définir avec nous. Et je laisse les autres chroniqueuses le définir également. Oui. Moi, je vais dans le même sens qu'Estelle, dans le sens où l'échec, c'est une tentative. Enfin, tu as tenté quelque chose, ça n'est pas arrivé au résultat que tu attendais. Et ben, tu définis ça comme un échec, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a cette célèbre phrase de Thomas Edison qu'on connaît tous, qu'on dit souvent, quand on lui avait demandé quand on lui avait dit qu'il avait échoué 9999 fois, il disait qu'il n'avait pas échoué 9999 fois, mais il avait essayé 9999 000 tentatives plutôt, qui n'avaient pas marché. Tu vas y arriver. Voilà. Donc, c'est des tentatives simplement qui n'ont pas abouti au résultat qu'on voulait. Et ben, on ne baisse pas les bras pour ça. Comme quoi, au fait, chaque personne a vraiment une définition propre à lui, propre à son expérience, pour définir c'est quoi exactement l'échec. Alors, Maëlys et Rebecca, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'échec ? Bah, moi, je rejoins un petit peu, du coup, les points défi, qui, véritablement, que ce n'est pas quelque chose de négatif, et je pense qu'on a tous à apprendre de nos erreurs, de nos échecs, et si je pourrais définir un peu l'échec, c'est... on va dire quelque chose dont on ne s'attendait pas forcément. Et c'est quelque chose, en fait, où enfin, on ne réussit pas forcément dans un domaine. Donc, voilà, je définirais comme ça un peu l'échec. Pour moi, la définition de l'échec, c'est, par exemple, lorsque tu te fixes un propre objectif ou quelqu'un t'a fixé un objectif, mais tu n'as pas forcément réussi. Moi, je prends ça pour un échec. Après... dans différents domaines, il y a plusieurs échecs. Par exemple, on peut avoir donc les échecs dans le travail, l'échec dans le ministère et l'échec aussi dans les relations. Mm-hmm. Et du coup, voilà. D'accord, ok. L'échec dans les relations. Il y a déjà Gary qui nous dit, au fait, l'échec, c'est un état d'esprit qui peut être négatif, au fait, si on décide de ne pas se relever. Mmh. Donc, wow. Ce midi, j'aime on va bien. Permettre à quelqu'un de se relever parce qu'il ne faut pas que tu restes dans cet état Amen. D'esprit. Amen. Alléluia. Il ne faudrait vraiment pas que tu restes dans cet état d'esprit. Il faut que tu t'en sortes. Et pour ça, nous sommes là pour te donner des clés. Et tout à l'heure, tu parlais au fait des échecs dans tout ce qui est relationnel. Moi, j'ai quand même une question de savoir qu'est-ce qui peut conduire, par exemple, dans les relations, qu'est-ce qui peut conduire à une rupture ? À une rupture, moi, je pense que c'est plutôt... Par exemple, dans le fiançailles. Dans les fiançailles, moi, gérer, c'est plutôt lorsque, par exemple, le conjoint, en fait, se rend compte qu'au fur et à mesure, en fait, de la période des fiançailles, ben, en fait, le caractère, en fait, ne correspond pas. Du coup, moi, je pense que c'est un motif, en fait, qui va entraîner, en fait, la séparation. Et on va alors considérer ça, enfin, ils vont considérer ça comme un échec. Après, il peut y avoir aussi d'autres choses. C'est quoi déjà ? Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer aux internautes c'est quoi cette période de fiançailles exactement ? Qu'est-ce qui se passe pendant cette période ? Alors, je vais essayer. La période de fiançailles, c'est une période, c'est la période avant le mariage, donc après les fréquentations, quand le monsieur fait sa belle demande dans le bateau mouche de je ne sais où. Ah oui, non, mais Emma, elle a déjà préparé son elle a dit bateau mouche. Okay. Donc quand le monsieur fait sa belle demande et tout, vous avez vu les pasteurs et vous avez convenu d'une date en fait pour votre mariage. Donc c'est cette période-là qui vous permet de cheminer vers le mariage. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui pourrait causer du coup la rupture ? Alors, pour moi, ce qui pourrait causer la rupture, c'est le fait de se rendre compte, en fait, que
les visions finalement ne sont pas les mêmes, parce qu'au début d'une relation, ça peut être tout doux, enfin, l'autre aime le rose, nous aussi on aime le rose, l'autre veut aller au Canada, nous aussi on veut aller au Canada, mais au fur et à mesure on peut se rendre compte en fait que les visions finalement ne correspondent pas, que les attentes finalement ne correspondent pas, et que si en fait on va au mariage, ben finalement on va échouer dans le mariage. Donc ce serait mieux de rompre les fiançailles, d'être sage et de se dire ben ça va pas aller, enfin on n'est peut-être pas fait pour avancer ensemble. Donc on rompt simplement les fiançailles. OK, d'accord. OK, mais si on décide au fait sagement de rompre ensemble, en quoi est-ce que ça pourrait être considéré comme un échec? Parce qu'en ce moment-là, on est bien d'accord que voilà, ça ne marche pas, on n'a pas la même vision. Le but quand même pour aller dans le mariage, c'est d'avoir une même vision. Et si on n'a pas la même vision et qu'on décide de mettre fin à cette relation, pourquoi c'est considéré comme étant un échec? Moi, je pense à cause aussi de la pression en fait de la famille. Je sais que par exemple dans plusieurs origines, je sais que c'est pas pareil chez tout le monde, mais je sais que voilà, la famille elle porte en fait une très grande importance en fait au mariage. Et je sais que voilà, souvent les familles disent aux nouveaux mariés que dans notre famille il n'y a pas de divorce en fait, ça n'existe pas. Et à partir du moment en fait où ce couple là en fait va se séparer, ils vont prendre ça comme un échec en fait, parce que ils savent que dans leur famille en fait la mère ou le père en fait n'accepte pas cela. Du coup, c'est là où ça peut être considéré voilà comme un échec. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est surtout que dans les, enfin, je vais parler pour les familles africaines par exemple. Dans les familles africaines, c'est une fierté pour les parents que exactement. Leurs enfants se marient. Exactement. Donc ça fait, c'est comme une honte en fait finalement les fiançailles rompent. Oui. Et surtout aussi. Les fiançailles en Afrique, c'est un mariage qui est déjà fait. Enfin, c'est symbolisé par la dot. Donc, il y a des dépenses qui sont déjà engagées. Exactement. Et donc, du coup, il y en a qui arrivent à dire, tu rembourses en fait. Tu rembourses ce que j'ai dépensé. Tu me vois. Rembourses hein, les 5000 euros. Allez, vas-y. Voilà. Donc, dans ce sens-là, oui, ça peut être un échec pour les familles. C'est vraiment une fierté en fait que leur fille en fait se marie ou l'homme se marie. Donc, à partir du moment où le mariage il est brisé, là, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Mais c'est quand même une décision sage. On est bien d'accord que ça reste une décision. Après, les fiançailles, ils ne sont pas encore en couple, en soi. Donc, vaut mieux que ça casse maintenant. Après, au final, ça crée plus de dégâts. Sauf moi, pour ma part, pour faire un peu mon témoignage, moi, je sais que j'ai déjà été fiancée. Et en vrai, moi, j'ai considéré ça comme un échec, plus sur le fait que j'ai perdu du temps. En fait, c'est plus cet aspect-là que j'ai considéré comme un échec. Et aussi l'aspect présenter sa famille. Moi, personnellement, je sais que l'entourage est très, très important pour ma part. Mmh. Et c'est comme si je m'étais trompée et laissée en fait, rentrer quelqu'un dans mon intimité, alors que finalement, c'était pas comme ça, en fait. Wow. Donc, je pense plus que c'est, pour ma part, en tout cas, c'est plus la perte de temps et le fait de s'être trompée, en fait, sur la personne, tout simplement. Mmh. Ok, une perte de temps que tu as considérée. Oui, apprendre à connaître une personne, ça prend du temps. Et puis même, les sentiments sont engagés également. Donc, c'est ça, en fait, vraiment, ce sentiment d'avoir perdu du temps et d'avoir. Voilà, le temps, comme on dit, hein, il est précieux. Il y a tellement de choses à faire, surtout nous, en Christ, on a une destinée à accomplir. Yes. Et c'est quelque chose qui est important, le mariage, les fiançailles et apprendre à connaître la personne. Mais ça demande du temps. Et si ce n'est pas la bonne personne, c'est du temps qui a été perdu, en vrai. Donc voilà. Si c'est pas la bonne personne, comment savoir si c'est la bonne personne du coup? Est-ce que Dieu est d'accord? Comment savoir si c'est la bonne personne? Oui, parce que ça pourrait éviter du coup de rompre, ça pourrait éviter du coup l'échec. Comment savoir si c'est la bonne personne ou pas? Comment on peut aider les personnes qui nous regardent du coup? C'est pas pour rien que Dieu en fait a mis des leaders au-dessus de nous. Amen. Et en fait, eux, ils peuvent savoir en fait si c'est la bonne personne ou pas, parce qu'en fait, ils te connaissent, ils connaissent ton caractère, ils connaissent ta personnalité, et ils vont pouvoir en fait être des personnes en fait qui vont t'aiguiller en fait. C'est ça, c'est bien ça le mot. Voilà, qui vont t'aiguiller, qui vont te diriger, et tu vas savoir si tu dois mettre un pied dedans ou tu dois fuir en fait. Donc c'est une bonne protection de savoir si voilà c'est la bonne personne ou si c'est la mauvaise personne. Je peux rajouter quelque chose. C'est vraiment important la vie des leaders, surtout quand c'est dans l'église. Je pense que les leaders connaissent quand même assez la personne qui nous approche. Exactement. Et donc, du coup, ils ont des informations plutôt qu'ils peuvent nous donner, qu'on n'a pas, et qu'ils peuvent nous aiguiller, comme a dit Maïlis. Mais j'aimerais aussi parler du témoignage intérieur. Quand on décide de se mettre en couple avec une personne, franchement,
il y a toujours au-dedans de nous quelque chose qui va nous témoigner positivement ou négativement. Donc le Saint-Esprit qui va nous témoigner positivement ou négativement que cette personne-là, on peut aller avec. Mais malheureusement, c'est mon expérience en tout cas, parfois on entend, on a cette voix-là qui est négative, le témoignage intérieur est négatif, mais comme on veut se marier, voilà. Comme on veut... Les sentiments parlent aussi. Voilà, les sentiments parlent, vrai. Exactement. Et finalement, on finit par choisir cette personne qui n'était pas la bonne personne. Et c'est après qu'on se rend compte que voilà. Que c'était pas la bonne personne. Et c'est même pour ça que là, l'intervention des leaders est super importante, parce que les leaders n'ont pas cet aspect sentimental. Ils nous connaissent tous les deux, ils nous apprécient, c'est vrai, mais ils sont pas engagés sur les sentiments agapés, en fait. Et ça veut dire qu'il y aura plus de partialité, c'est comme ça qu'on dit. En fait, ils seront plus neutres, en fait, vis-à-vis de la situation. Ils te connaîtront toi, ils connaîtront la personne en face, et ils pourront juger d'eux-mêmes de manière neutre si les deux ça marche ou ça marche pas, et même voir en profondeur, parce que je pense qu'il y a certaines choses que tu as déjà dit à ton leader que tu ne vas pas dire directement à la personne à côté, et le leader va pouvoir te stopper avant, en fait, que les sentiments naissent, justement. Donc c'est important d'aller voir ses leaders, même si oui, ça demande de l'humilité, mais comme l'apôtre, nos responsables spirituels nous le disent, le choix de notre partenaire est si important qu'il faut prendre aucun risque, quoi. Exactement, parce que le choix d'un partenaire, c'est tellement important, parce qu'on sait que c'est avec ça qu'on bâtit, au fait, notre destinée. C'est soit ça casse, soit ça passe. Voilà. C'est ça. Donc il va vraiment falloir faire le bon choix. Et je pense que nous, on a vraiment la grâce, par exemple, nous, on est à l'ACER, on a vraiment la grâce d'avoir des parents, au fait, ça fait 20 ans, je crois, qu'ils sont maintenant mariés. Yes. Donc, ils sont mieux placés, véritablement, pour pouvoir nous conseiller. Oui, Maëlys, tu voulais rajouter quelque chose. Exactement, mais même comment reconnaître que c'est le bon ou pas? Juste, en fait, quand tu vas apprendre à connaître la personne, là, tu peux voir que pendant cette période-là, tu peux voir aussi si le caractère correspond, si la personnalité correspond. Et moi, je sais qu'il y avait un témoignage qui nous avait raconté notre responsable, qu'il était en train de parler avec une fille, et il a vu en fait qu'un trait de caractère ne correspondait pas par rapport en fait à la grande vision que Dieu en fait lui envoyait faire. Non, pas lui envoyait faire, mais à laquelle il était destiné, au fait. Voilà, à laquelle il était destiné, en fait. Et c'est là en fait où il a mis il a arrêté, en fait. Et par la suite, il est parti voir son père spirituel. Et son père spirituel lui a confirmé que non, en fait, c'était pas la bonne personne. Du coup, voilà. Amen. Oui, Rebecca. Moi, je voulais juste un peu aller sur un autre point, mais toujours sur les fiançailles, pour le fait que ce soit... Pardon. Que ce soit un échec, désolée. J'aurais dit, en fait, le fait que tout simplement, quand tu te fiancies, c'est comme synonyme, en fait, d'engagement. C'est-à-dire que tu te pousses à aller, par exemple, aller jusqu'au mariage. Et le fait, justement, de rompre, on va dire, les fiançailles d'un coup comme ça, c'est comme si, en fait, tu avais abandonné, tu avais comme, en fait, t'as échoué, en fait, dans cette période-là. Et c'est comme ça qu'en fait, ça vient, en fait, le manque de valorisation, de se dire, OK, peut-être que je ne suis pas forcément fait pour les fiançailles, pour le mariage, etc. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que des personnes connaissent des échecs et ils ont du mal, même après, pour la période des fiançailles. Pour la suite et tout. C'est vrai que en parlant de ça, on se rend compte que c'est pas seulement les chrétiens qui vivent ce genre situation. Il y a aussi ceux qui nous suivent, par exemple, qui peuvent être païens. Et moi, j'ai quand même une question de savoir comment on fait dans ce cas pour se relever. Comment on fait pour s'en sortir? Par exemple, Estelle, tu l'as vécu. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a aidé véritablement à t'en sortir? Moi, ce qui m'a aidé déjà, c'est l'acceptation. Parce qu'au début, il y a une période où tu n'acceptes pas forcément. Tu es là, tu te dis, mais pourquoi? Tu te poses plein de questions. Mais parfois, il faut juste accepter de ne pas avoir de réponse à certaines questions. Et vraiment relativiser, dans le sens où ce n'est pas la fin du monde, en fait. Genre, tu n'es pas né avec cette personne et ce n'est pas grave si tu continues sans. Donc, je pense que c'est vraiment accepter et aussi être assez humble pour revenir à Dieu et lui faire part de tes peines, en fait, et lui expliquer que voilà, c'est là où, moi, je sais que c'est là où vraiment ma vie spirituelle aussi a pris un bond, dans le sens où j'ai vraiment, j'ai laissé tout à Dieu, en fait, et je l'ai laissé gérer. Et au final, c'est quelque chose qui m'a vraiment appris à me connaître, moi, et à apprendre comment aller vers Dieu, en fait. Donc, c'était grave bénéfique. Yes, ouais. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour encourager une personne qui nous regarde, qui se trouve peut-être dans cette situation? est-ce que je parle ou je dois... Non, moi, j'avais dit véritablement d'être restaurée, parce que
Amen. L'échec dans les fiançailles, ça crée comme des sortes de blessures, en fait. Et c'est important de, même d'être restauré par rapport à ça, parce que pour avancer, ça va créer comme des blocages, en fait, même pour la suite. Et c'est important même de demander à Dieu de pouvoir, en fait, restaurer toutes les blessures qui ont été causées justement par les fiançailles. Amen. Et pour aller, enfin, tout simplement, pour aller de l'avant. Donc, parce que c'est vrai que ça peut causer des blessures et même comme des formes de blocage et des forteresses qui font en sorte qu'on n'arrive plus à avancer. Au fait, on n'arrive plus à croire qu'un jour, on rencontrera peut-être quelqu'un de meilleur avec qui on va bâtir notre destinée. Il faut véritablement booster la personne qui nous regarde et l'emmener à croire que le plan de Dieu est meilleur pour elle. Amen. Amen. Et en allant dans le sens de ce que tu as dit, c'est vraiment important de se dire que, enfin, que la vie ne s'arrête pas là, qu'on va trouver meilleur, de croire en fait que Dieu nous fera la grâce, en fait, nous a fait la grâce et que nous allons nous marier un jour. Moi, je sais aussi, j'ai vécu la même situation. Je sais qu'à cette époque-là, je me suis dit, ah bah tiens, je vais plus me marier, je vais devenir pasteur, voilà, je vais me consacrer au ministère et tout. Mais je sais que c'est la blessure qui parlait en fait. C'est vraiment le fait que j'avais trouvé, pour moi, c'était vraiment quelqu'un de bien et tout. Et je me disais que, est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un comme ça en fait? Et ça m'a poussé, ça m'a amené à me dire, je vais me réfugier dans le ministère et tout, hein, voilà, je vais me consacrer à Dieu. Ouais. Alors que je savais très bien que je n'ai pas le don de célibat, c'est ça? Je n'ai pas ce don-là et que je suis appelée à me marier. Donc vraiment, je vous encourage, si vous passez par cette situation-là, de vous dire que ce n'est pas fini, que Dieu a des projets pour vous concernant votre mariage, que vous allez vous marier un jour, et s'il y a des voix qui viennent vous dire que non, t'es pas assez bien pour être mariée, t'es pas assez ceci, combattez ces voix-là en décrétant la parole de Dieu, en disant Amen. Que Dieu a prévu cela pour vous et que tôt ou tard, ça va s'accomplir. Amen. Yes. C'est vraiment ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Le plus important, c'est que dans ce temps-là, hein, pour vous qui l'avez vécu, le plus important, c'est vraiment de vivre la parole en ce moment-là. C'est vraiment de prendre la parole de Dieu comme référence, parce qu'on se rend compte que c'est un champ de bataille aussi dans nos pensées, parce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché au fait. Parfois même on peut tomber dans la culpabilité de se dire peut-être que c'est à cause de moi que ça n'a pas marché. Alors prendre véritablement la parole de Dieu et faire confiance au Seigneur, parce que Dieu a des plans qui sont merveilleux pour nos vies. Au fait, Dieu nous aime tout Amen. Simplement. Et lorsque Dieu nous aime, Dieu prévoit des choses qui sont bonnes pour notre vie. Et ça, peu importe au fait l'échec qu'on peut rencontrer, peu importe l'échec qui peut se présenter face à nous, le but, ce n'est pas de rester dans l'échec, mais de pouvoir s'en sortir en se relevant, véritablement. Voilà, et juste par rapport en fait, à ce qu'elle a dit, moi, j'aimerais juste rajouter en fait, un petit mot, n'aie pas honte. N'aie pas honte d'avoir raté en fait, ces fiançailles-là. Enfin, ces fiançailles. Et franchement, on remet tout entre les mains de Dieu, comme on l'a dit dans sa parole. Amen. Il a Amen. Des projets de paix et non de malheur pour toi. Alors, il va trouver en fait une solution dont tu n'as pas à avoir honte et ne pas penser que les gens te jugent. C'est pas grave ce qu'ils te jugent. T'inquiète pas. Dieu sait ce qu'il fait. Il a ta destinée entre ses mains. Donc, t'inquiète pas. Yes. Amen. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose qui peut beaucoup bloquer. C'est aussi le fait de pardonner. Parce que beaucoup, on peut avoir des blessures, parce que parfois les fiançailles sont rompues à cause de mensonges. Parfois, plein de choses en fait qui peuvent arriver et ça peut créer des blessures et vraiment aussi de la rancœur, de la haine. L'infidélité. Oui, bon, après, en fiançailles, c'est pas tout. Oui, il y en a quand même. En tout cas, voilà, vous voyez de quoi je parle. Il y a plein de blessures qui peuvent être créées. Et je trouve, et moi-même au départ, j'ai un peu été dans ce cas, qu'il faut en fait pardonner à l'autre et se pardonner à soi-même pour avancer. Parce que beaucoup en fait restent bloqués, ils avancent parce que malgré eux, ils sont obligés d'avancer. Le choix est fait, mais ils ont toujours cette rancœur dans le cœur. Et en fait, le cœur est trop lourd et au final, le Seigneur n'arrive même pas à l'alléger parce qu'en fait, on retient la peine, on retient la rancœur. Et je pense qu'une des clés, c'est vraiment, comme j'ai dit déjà, accepter et pardonner, que ça soit pardonner à soi-même parce que peut-être que tu n'as pas bien fait les choses, ou pardonner aussi à l'autre parce que lui n'a pas bien fait les choses. Dans tous les cas, il faut faire confiance à Dieu et il faut penser à soi. Et en vrai, le pardon, ça te libère plus que ça fait du bien à l'autre. Exactement. Et il faut vraiment le faire parce que sinon, tu restes bloqué et tu te bloques en toi-même. Fait, tu traîneras avec toi au fait ton passé et c'est à ça, chaque en fait. Fois parce que tu refuses de te pardonner Exactement. À toi-même et de pardonner à l'autre. C'est au fait, tu te retrouves comme dans un...
forme de prison, exact. En fait. Et c'est le diable, il joue de ça. À avancer, exactement. Bah oui, hein, il joue de ça, hein, des blessures et des offenses. Mais tu sais, même par rapport à ce que tu dis, même si tu veux passer en fait à une autre étape, ou voilà, tu veux recommencer en fait dans la période des fiançailles, faut être restauré en fait de ces blessures et faut vraiment en fait être libre, parce qu'en fait toutes les blessures que tu auras, sinon en fait tu vas remettre ça en fait sur ton nouveau fiancé. Et du coup, c'est voilà important en fait de vraiment rester dans cette période-là où tu remets, en fait, tu contemples la présence de Dieu. Amen. Et qu'il te restaure en fait au dedans de toi. Comme ça, tu sais que lorsque tu vas aller dans cette période-là, ben tu seras libre en fait. Il y aura rien qui te retiendra en fait dans ton cœur et tu pourras pleinement ben avoir la paix. Donc voilà. Parce que abordons un peu ce point-là où lorsqu'on quitte une relation comme ça, on se dit tout de suite qu'il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour pouvoir me combler. Relation pansement. Oui, le pansement. Ah vraiment. Donc parlons un tout petit peu de ça. Ne faites surtout pas ça chez vous. Ah, oui. Non mais vraiment parce que moi, par rapport à ça en fait, j'ai un témoignage. Bon, je vais pas dire la personne, mais en fait c'est une. Ben, c'était pas dans la période des fiançailles, mais c'était des personnes en fait qui étaient en concubinage, on va dire. Oui. Oh. Ben oui, du coup. Et en fait, cette personne-là, elle était en couple avec un garçon, mais en fait, ce garçon-là, en fait, était tellement infidèle. Et c'est une personne qui avait déjà, en fait, un manque de confiance en elle-même. Et en fait, ben, elle n'avait pas du tout confiance en lui par ses infidélités, parce qu'aussi, il était très, très, très populaire sur les réseaux sociaux. Et elle a fini, en fait, par rompre avec lui. Mais pendant cette période-là, elle avait beaucoup maigri. Elle n'avait plus du tout confiance en elle. Elle était vraiment, en fait, détruite. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas trouvé en fait son pansement chez Dieu, mais elle est partie en fait trouver un autre pansement chez une autre relation. Mmh. Et en fait, lorsque je regarde leur relation, en fait, comment elle s'exprime envers lui, en fait, c'est comme si elle remettait en fait toutes ses blessures sur lui, en fait, et elle lui parle en fait tellement mal, en fait, parce que je pense qu'elle est tellement blessée. En fait, elle remet tout sur lui, en fait, comme si c'était cette personne-là, en fait, qui allait réparer, en fait, ce qui a été cassé au dedans, en fait, de toi. Alors que non, la seule personne qui peut te réparer, c'est la personne en fait qui t'a créé, parce que lui-même, il sait comment il a fait les choses. Donc voilà, je veux vraiment donner en fait ce conseil-là à une personne lorsque tu sors d'une relation, va vers Dieu et ne rentre pas en fait dans une nouvelle relation parce que ça va encore plus casser, tu vas ressortir de là encore plus brisé. Yes. Donc c'est du coup, vrai. Voilà. C'est vrai. J'aimerais juste rebondir parce que là on parle, on prend l'exemple de si une personne était en couple, elle a été blessée et ensuite après elle a enchaîné avec une autre personne et du coup ses blessures du passé, elle les a défoulées dans le nouveau copain. Mais moi aussi, j'aimerais parler du fait que même, peut-être tu n'as jamais été en couple, mais ne pense pas que ce travail, tu ne dois pas le faire. Ah, wow. Pourquoi ? Parce qu'en soi, peut-être que tu n'as jamais eu de blessures liées à un couple, liées à un copain, liées à une copine, mais tu as peut-être eu des blessures liées à tes parents, liées à des blessures liées à tes échecs. Et en fait, tout ça, il faut comprendre qu'il faut que tu les guérisses avant d'aller en couple, même si c'est la première fois. Parce que le problème, c'est que cette erreur, là, Maëlys le disait, c'est, elle l'a fait après la deuxième relation, mais tu peux le faire dès la première. Et ça peut être l'une des causes que ça n'a pas marché. Donc vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un. Peut-être que tu te sens seule, mais Dieu, c'est le best. T'inquiète Dieu, pas, c'est vraiment le best. Sa présence est la meilleure. Et prends ce temps. Parce qu'en vrai, la période de célibat, certains, voilà, c'est compliqué. Mais en soi, c'est vraiment une grâce pour ma part. Je pense ça vraiment comme une grâce. Parce qu'il y a plus de temps. Tu as plus de temps pour accorder à ta destinée, à tes projets, même en tant que femme, dans ton caractère, dans plein de choses. Donc, ne pas voir le mauvais côté, mais te dire que là, tu as le plus de temps pour, du coup, bah, penser tes blessures avec le Seigneur et même avancer en tant que femme pour être davantage, en fait, mature et prête à aller tout simplement bah, dans le mariage. Et même ce qui est génial, véritablement, c'est que ne pas prendre ça comme un échec. Pourquoi ? Parce que je me dis que lorsqu'on va rompre avec la personne et qu'on a plus de temps à passer avec Dieu, le Seigneur nous restaure. Le Seigneur nous remplit d'amour. C'est ça. Il y a cet adage qui dit au fait qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Au fait, tu ne peux pas rentrer dans une relation alors que tu ne t'aimes pas, que tu es blessé, alors que voilà, t'as des choses au-dedans de toi qui font que tu n'avances pas, au fait. Même dans un couple, il y a ce côté où on se complète. Donc, en quoi j'irais me mettre en couple avec une personne alors que je ne m'aime pas, alors que je n'ai pas d'amour pour moi ? Si je n'ai pas d'amour pour moi, alors que le Seigneur dit « aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même voilà. », comment aimer cette personne ? Donc ça serait important pour toi, dans ce temps-là, au lieu de te dire « c'est fini pour moi, il n'y a plus rien à faire », Dieu a toujours quelque chose à faire avec ta vie. Dieu a toujours prévu quelque chose à faire avec ta vie. Voilà pourquoi, au lieu de pleurer, tu dois véritablement chercher à te connecter au fait avec le Seigneur. Tu dois chercher à
te connecter avec lui, il va te remplir d'amour véritablement. Il va te restaurer et ça fera en sorte que même dans la prochaine relation, au fait, il y aura cette stabilité. Amen. Au fait, ça va être tellement, comment dire, plus fluide. Exactement. Au fait, ça va très très bien se passer. Pourquoi? Parce que il y a les bonnes bases. Yes. C'est ça. Il y a surtout les bonnes bases. Et tout à l'heure, tu étais en train de parler de ministère. Parce que, bon, voilà, madame s'est dit, moi, le mariage, c'est plus pour moi. Je vais esquiver ça. Ce n'est plus pour moi, j'ai esquivé ça. Je préfère aller servir le Seigneur. C'est très bien, c'est très bien. Mais il y en a aussi qui connaissent l'échec dans le ministère. Ce n'est pas parce que tu fuis vers le ministère qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que tu vas vers le ministère qu'il n'y a rien, que tout est beau, non. Il y en a aussi qui connaissent l'échec dans le ministère. Il y en a, par exemple, qui pouvaient avoir des responsabilités, mais qui l'ont perdu, parce que, voilà, peut-être qu'ils ont commis des fautes, d'accord ? Peut-être qu'ils ont commis des fautes, ou peut-être que simplement, ces responsabilités-là, on a décidé de le donner à une autre personne. Mais est-ce que vous avez déjà connu ça ? Parce que nous, on aspire au ministère. Hein. Il y a quelqu'un qui veut parler ici. Il y a des responsables de GR. Il y a des responsables de GR, futurs responsables de GR ou ex-responsables de GR, je ne sais pas. Je vous laisse découvrir. Alors, moi, j'aimerais faire un petit témoignage par rapport aux responsabilités au sein de notre ministère. Du coup, pour ma part, j'ai été responsable de GR très tôt. C'est quoi un GR ? Alors, un GR, c'est un groupe de réveil où, voilà, tu vas en fait... encadrer les brebis du Seigneur et tu vas en fait les amener à grandir avec Dieu et tu vas les amener en fait à devenir des disciples et à vraiment en fait accomplir leur destinée. Donc du coup, moi j'avais donc un groupe de réveil et j'ai fini malheureusement par perdre ce groupe de réveil-là pour une raison légitime. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui peuvent perdre des responsabilités au sein de l'Église, qui peuvent perdre des groupes de réveil ou bien encore qui peuvent perdre des réseaux. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que, OK, j'ai perdu ce GR-là, mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Dans le sens où, comment je vais agir par la suite ? Parce que moi, en fait, j'avais peur d'une chose, c'est que lorsque une personne, en fait, elle perdait sa responsabilité, elle quittait en fait l'église ou bien en fait elle rétrogradait et on la voyait plus. Et moi je sais que c'est pas ce que je voulais pour ma destinée parce que je sais que Dieu m'appelait à quelque chose de trop grand. Amen. Et je pouvais pas retourner encore dans... je pouvais pas retourner dans le monde parce que j'ai déjà goûté Dieu, j'ai goûté le monde, il y a pas de photo. OK ? Mais du coup les sentiments que j'ai pu ressentir lorsque j'ai perdu ce GR, c'est d'abord la déception. Dans le sens où je me dis en fait que c'est une grâce en fait. C'est une grâce d'avoir le Seigneur parce qu'en fait, tu ne sers pas de la même manière. J'ai l'impression que c'est plus en profondeur. Dans le sens où tu évangélises, mais en plus en fait, tu formes en fait les brebis du Seigneur à devenir en fait des disciples. Et tu fais vraiment en fait ce travail qu'il nous demande de faire dans Matthieu 28, 19. À l'effet de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bon, vous connaissez tous les versets. Donc, du coup, voilà. Et moi, j'étais vraiment déçue d'avoir perdu cette grâce-là. Mais je suis aussi, en fait, passée par une autre phase où, en fait, j'avais l'impression de ne plus avoir le même droit de parole qu'auparavant. Ce qui est un très grand mensonge. J'avais, en fait, l'impression, en fait, d'être très limitée dans le sens où je ne pouvais plus conseiller les autres de la même manière, où je ne pouvais plus aider les autres de la même manière. En fait, c'est là où le diable rentre et, en fait, il commence à te mettre, en fait, des pensées limitantes dans ta tête. Il commence à te dire, c'est fini pour toi, tu n'y arriveras pas, c'est mort, t'as échoué, t'as perdu ton GR, tu vas aller où, tu vas faire quoi, tu vas finir au fin fond de l'église, plus personne ne va te calculer. Moi, personnellement, c'était la phase dans laquelle j'étais. Et en fait, je me disais ça, en fait, que c'est fini pour moi, que c'est mort, en fait, je ne sers plus à rien, en fait. Et j'avais vraiment, en fait, cette limitation-là. Et je suis aussi passée, en fait, par un autre point où, en fait, j'ai pris conscience que je n'aurais plus, en fait, la même relation que j'avais avec mon leader. Parce qu'en fait, je n'étais plus sa douce, qui est légitime dans le sens où c'est plus la même formation. Yes. Tu formes plus ton douce comme tu formes, par exemple, une brebis du Seigneur, ce qui est totalement légitime. Mais j'étais très déçue par rapport à ça, parce que voilà, j'ai une relation spéciale, on va dire, avec mon leader, c'est lui qui m'a formée. Et du coup, j'étais très, très, très déçue par rapport à cela.
Mais c'est pas une période où je n'ai fait que voilà avoir des mauvaises pensées, où j'ai été déçue. Je savais en fait que Dieu m'appelait à un très grand appel et je savais qu'en fait c'était pas fini pour moi. Et en fait le Seigneur m'a fait rappeler en fait d'un verset et le verset c'est Ecclésiaste 7 verset 8. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Lorsque tu entreprends quelque chose, lorsque tu entreprends un GR, tu peux voilà tomber, tu peux te décourager, tu peux vouloir abandonner et tu peux même échouer, comme j'ai échoué. Mais je me suis dit quelque chose lorsque je suis arrivée voilà dans un GR. Je me suis dit tant que Jésus n'est pas revenu, ce n'est pas la fin en fait. J'ai encore la possibilité en fait de me relever. J'ai encore la possibilité en fait de faire des choses en fait. Et le truc, c'est quoi? C'est que tout dépend, en fait, de ce que tu fais entre ce laps de temps. Qu'est-ce que tu décides de faire à partir du moment, en fait, où tu descends, en fait? Est-ce que tu te dis que, voilà, j'ai rétrogradé, c'est fini pour moi, je quitte l'église? Ou tu te dis, non, je vais me reprendre, je vais persévérer, parce qu'en fait, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça que j'ai compris. Dieu veut encore t'utiliser. Dieu a encore un regard sur ta vie et Dieu a encore sa main en fait sur ta vie et tu as la possibilité aussi de impacter en fait, tu vas pas que impacter en fait les brebis que Dieu t'a confiées dans ton GR, non, tu dois impacter ta famille, tu dois impacter tes amis, tu dois impacter même des personnes que tu ne connais pas, alors tu as encore ce droit de parole là et tu as le droit en fait encore de conseiller les personnes. Amen. Et c'est là en fait où j'ai compris que ok, je suis descendue, mais qu'est-ce que tu fais Maïlys? Moi, je sais que je me suis rappelé en fait les promesses que Dieu avait dites dans ma vie. Et je sais que Dieu veut m'amener quelque part. Amen. Alors, je sens que en fait, c'est une période de préparation. Amen. Où Dieu en fait veut tuer en fait les choses en moi en fait. Et en fait, il veut me préparer. Je sais pour la raison pour laquelle je suis tombée. Et en fait, tu peux pas faire la même. Je sais que je peux pas faire la même erreur. Je sais que je suis tombée sur ça. Mm-mm. Je peux plus recommencer. C'est ça. Et c'est ça que j'aimerais dire à une personne. Voilà le petit témoignage. Merci beaucoup, Maïlys. Merci beaucoup pour ton témoignage qui était vraiment bénissant. Yes. On se rend compte qu'au fait, c'est pas du tout facile parce que lorsqu'on est responsable de GR, au fait, on se dit waouh, j'ai véritablement la grâce de pouvoir servir Dieu. Wow. J'ai véritablement la grâce au fait d'avoir des personnes que je vais les aider simplement à grandir au fait avec le Seigneur, à faire d'eux des disciples. Et lorsqu'on je dirais pas tomber, parce que pour moi ce n'est pas tomber. Pour moi, au fait, j'aime une chose, c'est que la parole de Dieu va dire soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Et sous cette main puissante, au fait, ça peut passer par n'importe quelle situation, par n'importe quelle circonstance. En ce moment-là, Dieu veut que tu te soumettes véritablement, tu vois. Et ce que j'aime, au fait, tu dis, tu t'es souvenu de ce que le Seigneur t'avait dit. Au fait, tu t'es dit ok, d'accord, peut-être que je passe par cette situation, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? Parce que c'est avec cette parole, au fait, c'est véritablement cette parole qui va te garder, qui va faire en sorte que tu restes ferme. C'est cette parole qui va faire en sorte, au fait, que tu ne puisses pas faillir dans ta foi, parce qu'en ce moment-là, c'est très difficile pour toi. Tu te dis, mais est-ce que je suis toujours toujours légitime aux yeux de Dieu alors que j'ai perdu mon GR? Et ce qui est bien, c'est que tu te dis pas bon ok, j'ai limite simplement mon impact à un GR. Tu te dis je n'ai plus de GR, mais je vais dans ma famille. Hallelujah. Et ça c'est très important. Gloire à Dieu, gloire à Dieu en tout cas pour ton témoignage. Oui, Estelle. Et j'aimerais du coup moi aussi faire part de mon témoignage parce que moi j'ai vécu un peu la même situation que Maïlys. J'avais du coup pareil un GR. Actuellement je ne l'ai plus. Tout va bien, vous inquiétez pas. Amen. Tout va bien. Actuellement, je ne l'ai plus. Après, voilà, moi, c'était différent. Moi, c'était par choix, tout simplement parce que voilà, le Seigneur m'avait révélé une partie de mon appel qui ne me permettait pas tout simplement d'allier le GR pour le moment, tout simplement. Et moi, j'aimerais juste parler de quelque chose. Voilà, protéger vos cœurs parce qu'on va parler. Moi, c'est vrai que, je suis une personne... Ça a créé des sentiments bizarres ou... Moi, personnellement, je n'ai pas douté de ma spiritualité, je n'ai pas douté de si j'étais légitime ou pas, mais je l'ai plus ressenti. D'accord. Dans le sens où j'ai clairement vu le avant et le après, c'est-à-dire le avec un GR et sans un GR. Et en fait, j'aimerais parler pourquoi. Je ne dis pas ça en mode j'accuse ou je veux faire du mal ou quoi que ce soit. On n'accuse personne. On n'accuse personne, bien évidemment, c'est avec tout l'agapé. Amen. Dans l'amour. Exactement. Dans l'amour, c'est important. Yes. Et en fait, pourquoi je veux parler de ça? Parce que
Moi, c'est un choix que j'ai fait. Donc, j'étais en paix avec le Saint-Esprit. Mes leaders étaient au courant, étaient d'accord. Donc, tout allait bien. Mais j'ai vraiment senti un jugement de la part des autres personnes qui, du coup, avaient un GR et moi, je n'en avais plus. Dans d'accord. le sens où, je vais prendre un exemple simple, mais peut-être qu'avant, on me disait bonjour. Maintenant, on ne me disait plus bonjour. Les bonjours ont changé. Ce genre alors, de choses, en qui fait. Qui ne te disait plus bonjour bah, des personnes qui avaient les mêmes responsabilités que moi avant, et vu que moi, je ne les avais plus, en fait, je sentais en fait, une espèce de mépris. Après, peut-être que aussi, je pouvais être un petit peu blessée sans le vouloir, et du coup, je le prenais plus mal qu'une autre personne. Peut-être. Mais je sais que, honnêtement, je l'ai vu avec vraiment même, j'en ai parlé au Saint-Esprit, j'ai vraiment fait ce travail, même me dire est-ce que c'est moi, est-ce que je suis parano ou pas. Ouais. Et je sais que je l'ai vécu, c'est pas forcément mauvais, c'est peut-être pas voulu de la part des autres, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention, parce que comme je l'ai dit, moi c'était par choix, j'étais en paix avec ça, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui malheureusement a péché, malheureusement est tombé. La personne peut être dans la culpabilité, peut s'en vouloir et peut même hésiter à retourner dans le monde. Votre attitude à l'église, votre attitude à l'égard de cette personne peut la pousser vers la sortie de l'église. En fait, comprenez que peut-être que tu as un GR, peut-être que cette personne n'en a plus, peut-être, ou même des responsabilités, là on parle de GR, mais peut-être vous n'êtes pas à la SER, vous n'avez pas forcément de GR, mais mettez-vous à la place de votre situation. C'est ça. La personne a perdu des responsabilités. Déjà, c'est quelque chose qui est dur. Comme j'ai dit, moi aussi, j'étais un peu déçue ou un peu triste d'être moins proche de mes leaders. Oui. Ça, je l'ai vécu. Après, ça, c'est normal. Mais en fait, tout ça pour comprendre que vous aussi, peut-être vous avez un GR ou peut-être vous n'en avez pas. Vous avez un rôle à jouer, en fait. Vous devez être cette épaule, en fait, sur qui quelqu'un peut compter. Vous devez être cet ami, en fait, qui dit à la personne, « Ok, tu n'as plus de GR. » Peu importe la raison, en vrai. Tu n'as pas de GR, mais tu es là. Ou quand, par exemple, vous parlez de choses de GR, intégrez quand même la personne à côté. Faites en sorte, amen, en fait, qu'elle ne s'en sente pas qu'elle à se l'écart, pas en seule. Fait. Parce que exactement. Vous ne vous rendez pas compte que, pour être totalement honnête, si je n'avais pas été vraiment enracinée, j'aurais pu partir. Et au final... Ben en fait, c'est le corps de Christ qui est perdant. Parce que moi, j'aurais été perdante parce que forcément, j'aurais été plus vulnérable vis-à-vis du diable, etc. Parce que oui, avoir une église locale, ça protège. Amen. Amen. Mais même, en fait, ça aurait pu décevoir d'autres personnes. Ça aurait pu... Moi, je sais que j'ai des amis de l'église qui sont partis. Ben, ça m'a un peu impactée. J'étais triste. Et vous ne vous rendez pas compte que votre attitude compte. Peut-être que tu n'as rien à voir avec la destinée de la personne. Peut-être que... la raison ne te concerne pas, mais ton attitude à l'égard de cette personne est super importante. Donc j'aimerais juste encourager certaines personnes, parce que c'est important d'avoir la bonne attitude, de marcher dans l'amour. Peut-être tu as un GR, tu prêches l'amour le mercredi au GR, mais il faut que tu le manifestes avec, amen, tout le monde, que ça soit une personne qui a un GR ou pas. Même, amen, une personne, amen, elle est tombée, tu l'as appris. Ne la juge pas. Tu, exactement, n'es jamais tombée. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, marcher dans l'amour, ne soyez pas, amen, dans le jugement, n'essayez pas de comprendre pourquoi la personne n'a plus de GR, ça ne te regarde pas. Amen. Ça, en vrai, ça ne te regarde pas, en fait. Bon, peut-être... et c'est là en train de régler ses comptes, là. Non, mais parce que... clairement. Mais honnêtement, alors, tu sais pourquoi ? Clairement. Parce que je connais beaucoup de personnes qui l'ont vécu. Et je trouve ça triste parce qu'en vrai, beaucoup de personnes ont fait des erreurs, et alors ? En soi, et alors, peut-être que toi, tu as fait des erreurs dans ce domaine-là, mais tu en fais d'autres, toi, peut-être dans un autre domaine. Exactement. Et il faudrait vraiment, en fait, marcher dans l'amour. Et je pense que ça pourrait vraiment aider, tout simplement, tous, en fait. Et c'est et important. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé véritablement à te relever ? Qu'est-ce qui m'a aidé ? Comment je vais t'as pas fait mentir. Pour t'en sortir ? Vraiment, moi, c'est... Bon, après, je l'ai pas trop mal vécu, parce que je suis quelqu'un de très dans mon coin, solitaire et tout. Donc, je suis pas... ça m'a pas trop changé non plus. D'accord. Mais je sais que voilà, moi j'ai beaucoup compté sur le Saint-Esprit et je sais que je me suis beaucoup plus rapprochée de la parole pour comprendre la parole et pour que la parole en fait m'empêche d'avoir de mauvaises pensées, de mauvais sentiments, toutes ces choses-là. Et après aussi j'en ai parlé à certaines personnes et ils m'ont dit c'est vrai et j'ai vu des efforts tout simplement. D'accord. Ok. T'as vu des efforts. Oui, les personnes, au fait, c'est qui ça. Te méprisaient. C'est ça. Ok, gloire à Dieu, c'est moi, bien. Moi, juste pour appuyer ce qu'elle a dit, Estelle, parce que tu as posé une question, qu'est-ce qui vous a permis de vous le relever ? Oui. Moi, c'est les promesses de Dieu, mais c'est aussi, en fait, la nouvelle responsable de GR que j'ai maintenant. En fait, elle m'a tellement encouragée. Elle m'a, en fait, je n'ai pas senti, en fait,
comme elle a dit, un changement en fait de comportement envers moi. Mm-hmm. Et ça, ça m'a tellement en fait rassurée, ça m'a tellement genre encouragée à me dire que non, purée, elle me considère, je vais pas rester dans le fin fond de l'église. Non, mais c'est vrai parce que j'ai l'impression que quand je suis pèlerinière, en fait, elle aime la gloire. Pas du tout. Non, mais t'es laissée au fin fond et qu'on te considère plus en fait. Mais j'ai vu qu'en fait quelqu'un croyait en moi. Mais tu veux en fait la considération de la part de qui? Non, la considération de Dieu, mais aussi non, c'est important aussi d'avoir de la considération des personnes. Non, c'est aussi important parce que ça t'encourage en fait à aller plus loin. Imagine, t'es là, t'es dans un GR, la personne ne te considère même pas. C'est chaud quand même. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi, mais c'est pour ça aussi qu'on a des leaders. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi, mais c'est aussi pour ça. Tu dois croire en toi. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était important au fait de se baser sur la parole que Dieu t'a donnée. Exactement. Mmh. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des leaders au-dessus de nous qui sont là aussi pour nous encourager. Tu vois, si le leader il te dit rien, tu dis oh. Non, si le leader il me dit rien, là, c'est fini pour moi. Non. Parce qu'il faut quand même savoir que voilà, on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, que le Saint-Esprit est là et qui nous donne en fait un témoignage aussi intérieur qui dit aussi non, tu vas réussir, t'inquiète pas, tu vas réussir. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir un appui en fait pour t'aider en fait dans cette phase-là. Vous voyez ce que je veux ou pas? Et certaines personnes sont différentes en fait. Certaines personnes ont besoin d'appui et d'autres personnes n'ont pas forcément besoin d'appui. Vous voyez ce que je veux ou pas? Donc c'est important aussi d'avoir quelqu'un à côté qui t'encourage. Oui, toi aussi, tu as vécu la même chose que Estelle sur le point où tu étais un peu méprisée et tout ça? Franchement, je ne sais pas, je ne connais pas les cœurs des gens. Hein. Ah, toi, tu n'as pas prêté attention à ça, quoi? Non, d'accord. Mais est-ce que, Estelle, après, tu as eu à parler avec ces personnes pour expliquer un peu ton ressenti et tout ça? Pas toutes, hein. Genre, j'ai parlé avec des personnes avec qui parler. En fait, parce que bon, je vais aussi dire que moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, de très solitaire. C'est-à-dire, je suis pas. Voilà, je suis un peu dans mon coin, etc. Donc, même en ayant un GR, j'étais un peu dans mon coin. Mais ça veut dire que je parlais avec un minimum de personnes. Et en fait, je suis partie voir ces personnes-là. D'accord. Parce que ces personnes-là, j'ai vu un changement par rapport. Après, forcément aussi, il faut aussi être. Avoir du discernement sur le fait que, elles bossent, ces personnes-là. Bon. Chacun bosse dans son domaine et dans son appel, mais voilà, ça prend du temps de gérer des brebis, ça prend du temps de faire des disciples. Exactement. Donc aussi, c'est les personnes sont débordées, il ne faut pas en vouloir, mais plus dans le sens où je sentais que... comment dire? En fait, c'est simple, mais genre, vous voyez les petits bonjour, les ça va, des voilà, choses simples. On te considère, je voyais, c'est ça la considération, même, c'est pas considération dans le sens où moi, je respire qu'elles me disent bonjour ou pas, mais j'ai vraiment vu le changement. J'ai vraiment vu le changement. Mais tu vois, mais c'est là où en fait on voit le changement que, en fait, c'est ça le problème. Mais moi, je pense que quand tu vois le changement, c'est que la personne ne te considère plus en fait. Tu vois, non, ce que pas forcément, parce que je te moi, prends même dans ce sens-là. C'est pas fait d'un mauvais cœur. C'est juste que les personnes ne se rendent pas compte. Se rendent pas. Je vous promets que c'est. Mais après, il y a des personnes qui se rendent compte. Hein. On ne sait pas. Hein. Non, bon, Maëlys, vraiment. Elle a dit bon, après, il y a des gens qui se rendent compte. Hein. Non, mais toutes les personnes sont différentes. Il faut prendre ça en compte. Non, mais je pense juste que tu n'es plus mauvais dans le milieu, donc du coup. Exactement. Et même, c'est plus les mêmes sujets de conversation, on va dire. Et ça, c'est un peu normal. C'est ça, oui, mais c'est ça. Mais en fait, il faut comprendre que chacun est à son rythme. Et en fait, restreindre, par exemple, les sujets de conversation ou pas, ça écarte d'autres personnes. Comment vous voulez demander à quelqu'un d'être dans une communion fraternelle? La personne est là. Personne ne la calcule. La personne, on parle que GR, GR, GR. La personne vient de perdre son GR. Aïe. Vous n'avez pas l'impression que ça peut la blesser, ça peut. Vous pouvez juste en fait parler l'inclure en fait. Vous voyez un peu? Moi je considère l'inclure. Moi j'appelle ça, oui, de la considération. En fait. Non, c'est de la considération. Si tu dis ça avec sa considération, là, franchement. Enfin, moi je vais vraiment dans le. Je vais nuancer. Je suis d'accord avec Estelle dans le sens où il faut faire attention. Ne pas écarter les personnes qui ont perdu des responsabilités, leur manifester de l'amour et tout. Parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais ça peut blesser. Donc c'est aussi de notre part de faire attention à ces personnes, de différencier les sujets de conversation et tout. Mais j'ai aussi envie de dire, c'est aussi de la responsabilité de la personne qui a perdu ses responsabilités, de manifester aussi de l'amour envers les autres, oui. Yes. On a ces versets de 1 Corinthiens 13 qu'on connaît tous. J'aimerais vraiment en avoir la révélation pour vraiment le manifester, parce que je sais que je ne le manifeste pas toujours forcément, mais on dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est ça, yes. Exactement. Donc, on pourrait aussi
Nous, de notre côté, on a perdu nos responsabilités, faire cet effort-là, de même si la personne ne nous calcule pas. Yes. Toi, tu calcules la personne. Je calcule la personne. Toi, tu calcules. Je vais la saluer. Yes. Je vais la saluer. Après, ça dépend de comment elle va réagir. Si je vais toujours la saluer, mais finalement, elle continue à ne pas me calculer. Surprends la personne par ta bonté. Alléluia. Ben oui, non, moi, je sais que je l'ai fait. J'essaie de dire bonjour. Après, comme j'ai dit aussi, il faut aussi par rapport à son caractère. Vous voyez, c'est ça aussi qui... Mais c'est vrai que ça va dans les deux sens. Hein. Je ne dis pas, bon, t'as plus de GR, c'est bon. Et non, parce qu'en plus, tu dis, moi, je suis quelqu'un de très solitaire, je suis très dans mon coin. Peut-être que même les gens, en vrai, tu ne donnais pas envie. Oui. Désolée, peut-être que... J'en avais discuté avec de loin, certains, c'était plus... Je vois la personne, elle est dans son coin et tout, elle veut parler à personne. Ben, oui, moi, mais regardez, plus, j'ai pas envie de regardez, t'es dans vrai, ton coin. Mais ça veut dire, maintenant je vais parler de quelque chose. Maintenant, moi, je suis sauvée. Elle est énervée, là. Ah. Non, mais parce que, en soi, moi, je connais même, honnêtement, je connais des personnes qui sont retournées dans le monde à cause de ça. Et moi, ça me fait de la peine, en fait. Parce que si tu n'as pas la grâce, moi, j'ai eu la grâce d'être quand même proche de mes leaders et ça m'a fait du bien, en fait, de discuter de ça avec eux, etc. Mais si tu n'as pas la grâce d'être proche de tes leaders, si tu n'oses pas, tu peux partir. Et vous imaginez une personne qui retourne dans le monde juste pour ça? Alors qu'en vrai, c'est un effort qu'on doit faire et c'est quelque chose qu'il faut en parler pour que ça puisse changer. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais au fait que moi, ce que j'essaie de faire comprendre même aux personnes qui nous regardent, c'est qu'à un moment donné, même lorsque toi-même, tu sais qu'il y a un travail à faire avec ton caractère, au fait, tu ne peux pas tout mettre sur les autres. Non, je ne mets pas du tout sur les autres, mais c'est juste que... Regarde, moi, j'ai une question là, tu disais que... Parce que moi, je suis un peu, par exemple, dans mon coin. Après, je prends mon exemple, mais voilà, vous voyez. Oui, pour les autres, oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être quelqu'un qui est vraiment mal et du coup, qui n'ose pas. Mais si tu sais qu'en toi, tu dois travailler ton caractère, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, au fait, tu ne peux pas accuser les autres. Parce que mais les dans autres, le sens où, regarde... Au lieu que ça soit des réactions, c'est... Oui, mais regarde, là, tu es en train de dire qu'en gros, en fait, regarde... Là, parce que moi, je suis sauvée, parce que je suis en Christ, parce que je suis dans l'Église, les gens n'ont plus l'effort de faire en mode de manifester de l'amour. Mais si j'étais une personne à Châtelet à évangéliser, j'étais seule dans mon coin, j'avais le même caractère, elle serait venue. Dans le sens où, pourquoi en fait que tu viens que quand tu as un intérêt, que quand tu sais pourquoi. C'est en fait, c'est ça. Moi, je dis juste que je sois sauvée, que j'ai un GR ou pas, manifester de l'amour. C'est juste ça, en fait, que je reproche. Après, bien sûr que dans les deux sens... Dans les deux sens, oui, c'est important. Bien sûr, je suis d'accord. Mais je sais que dans le monde, quand je suis arrivée à l'église, par exemple, j'étais dans mon coin, tout le monde venait. Après, c'est différent, t'es nouvelle, etc. Et pourquoi, là, ça change alors que t'es la même enfant, en fait, de Dieu que... Je sais pas si vous voyez un peu. On comprend. Mais c'est moi, je serais vraiment sur... le deux sens, il faut manifester de l'amour. Yes, c'est ça. Dans le deux sens. Yes. Et si on sait qu'en soi, on a des choses à travailler dans notre caractère, il faut le travailler. Parce que même ça, au fait, ça peut repousser beaucoup de personnes. Et quand on est dans cette situation-là, au fait... On n'est plus, comment je peux dire, au fait, on réfléchit, mais selon nos émotions aussi. Yes. L'objectif, oui. Voilà, les émotions, il y a les sentiments, au fait, qui sont impliqués. Donc, on n'est pas, comment on dit déjà Neutre. Non, c'est pas ça. Mais bon, bref, mais en tout cas... Amen. Amen. Donc, moi, je pense que ça serait important, lorsqu'on est dans cette situation-là, aussi demander au Seigneur, au fait, l'esprit de discernement. Yes. Pour voir véritablement, au fait, parce que là, on parle carrément, pour moi, c'est un jugement. Lorsque tu vois les autres et tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont changé parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, peut-être que c'est juste tes émotions qui sont en train de parler. Je ne dis pas que c'était ton cas. Mais au fait, j'essaie vraiment de le voir dans le deux sens. Et me dire qu'au fait, ça pourrait être aussi toi, ta façon de voir les choses parce que t'es blessé, parce que t'es offensé. Et parce que c'est logique au fait que les gens qui étaient avec toi auparavant ne puissent pas avoir les mêmes discussions parce que tu n'as plus de GR. Yes. C'est une réalité, au fait. Moi, je suis désolée, mais c'est une réalité qui fait qu'aujourd'hui, si je dois parler de GR, si je dois parler de brebis, désolée, je ne pourrais pas aborder ce sujet-là de la même manière que j'aurais pu le faire auparavant avec toi, parce que tu n'as plus de GR. Yes. Mais oui, c'est vrai qu'il faut continuer à manifester de l'amour, en tout cas. Yes. Juste pour un peu rebondir, juste pour rebondir un petit peu. On n'avait pas parlé de depuis. Hein. Oui, Gloire à Dieu. Mais c'est débat, t'as Gloire à Dieu. Je vais débattre. Amen. Moi, je n'ai pas perdu de GR.
Mais j'ai entendu du coup vos témoignages et en fait on comprend même à travers tout ça que en fait ce sont des facteurs qui peuvent justement amener l'échec à un point de vue négatif. C'est ça. Alors que perdre une responsabilité, c'est pas forcément autant négatif que ça en fait, parce que si tu as perdu une responsabilité, c'est que peut-être il y avait quelque chose justement à travailler au-dedans de toi. C'est et ça. Des fois, justement, en fait, on parle de tout ce qui est émotion, etc., du caractère, on ne va pas forcément comprendre en fait, le choix du leader de te retirer quelque chose ou de ne plus avoir de responsabilité. Mais en fait, j'aimerais juste tout simplement dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, amen. Ça veut dire que si tu n'as plus de responsabilité, c'est que, voilà, c'est parce que voilà, le leader, il a vu quelque chose que tu devais travailler, que tu devais, et c'est même pour toi, en fait, pour te protéger, même pour la suite, parce que qui sait que si tu continue comme ça, peut-être que plus tard, en fait, plus tu avances, plus tu vas te prendre c'est un temps. C'est ça aussi, faire confiance au leader, en vrai. C'est ça aussi, faire confiance au leader. Et d'ailleurs, toujours dans le but de vous aider, toujours dans le but de pouvoir vous donner véritablement de réponse, nous sommes allés dans les rues de Paris, nous avons rencontré des Parisiens, et nous leur avons posé la question de savoir c'était quoi pour eux l'échec. Et ça va être juste après. Mais oui, Maëlys. Mais même pour répondre à ce que tu viens de dire, comme je l'ai dit dans mon témoignage, prenez ça vraiment comme un temps en fait, où Dieu va vous travailler. Yes, en fait. Travailler votre caractère, travailler sur quoi vous êtes tombé, mourir à vous-même pour mieux remonter. D'accord. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un échec, mais vraiment prendre ça comme un temps de travail. En fait. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le prends. Un temps de travail et autant... autant voulu par Dieu, Dieu fera les choses, pas besoin d'être pressé. Dieu, Dieu sait ce qu'il fait dans votre destinée. Amen. Après, gloire à Dieu. Amen. Et moi, ce que j'aime, en tout cas, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un, dans ce genre de situation, il y a une seule chose qui te qualifie, c'est ton cœur. Si ton cœur, il n'est pas bon, tu vas continuer à te disqualifier en vrai. Parce que comme Rebecca pouvait le dire, ou même encore Maëlys, c'est le temps où Dieu prend le soin de travailler quelque chose qui n'allait pas. C'est vraiment le temps où le Seigneur nous permet même aussi de nous connaître nous-mêmes. Parce que c'est dans des moments comme ça, dans des moments difficiles, qu'on apprend à connaître un peu. Au fait, on a en face de nous nos limites. On sait que là, dans cette situation-là, je sais qu'il y a telle chose au fait que je ne supporte pas. Je sais que je peux facilement sortir. Au fait, le Seigneur prend le temps de travailler quelque chose en nous. Et c'est pourquoi c'est important, en fait, de garder ton cœur. On va même le voir avec David. Parce que la plupart de personnes vont dire que mais David, vraiment, voilà, il a tué tout ça, mais c'est pas possible. Lui, c'est vraiment l'échec total. Yes. Mais on va voir plus tard qu'il avait tellement un cœur repentant au point où Dieu va dire qu'il est l'homme selon son cœur. Yes. Et c'est tellement important pour vous de garder ce cœur d'enfant et de se dire, Seigneur, ok, d'accord, la situation, elle est comme telle, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Le plus important dans ce genre de moment, c'est de chercher à savoir c'est quoi la volonté de Dieu, parfaite en tout cas, dans cette situation-là. Toujours, moi je pense que même lorsqu'on tombe comme ça, il y a toujours la gloire de Dieu qui est cachée quelque part. Alléluia. Et au fait, c'est de notre responsabilité d'aller chercher au fait cette gloire. Comment on va chercher cette gloire? Au fait, c'est en se relevant. Yes. Au fait, c'est quand tu décides de ne pas rester là, comme Maëlys disait, hein, moi, je me suis pas contentée du fait d'avoir perdu mon GR. Je me suis dit, non, là, je vais aller impacter dans ma famille. Au fait, tu ne croises pas les bras, tu ne restes pas en position d'échec, mais tu te relèves véritablement, Alléluia. Au fait, pour aller conquérir ce qu'il y a devant toi. Parce Amen. Que ce qui est sûr, c'est que Dieu a prévu quelque chose. Ça, c'est sûr. Exactement. Parce que Dieu n'a pas mis un point. Au fait, ce temps-là, c'est l'échec doit être un temps d'apprentissage, mais aussi, au fait, tu dois te dire en ce moment-là que Dieu travaille quelque chose en moi qui va faire en sorte que je sois la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même. Et c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça même que les gens veulent en vrai, si je peux le dire comme ça. Donc, se dire, là, je ne veux pas baisser les bras. Je ne veux pas me laisser abattre, mais je vais aller chercher au fait ce que Dieu est en train de faire au-dedans de moi et qu'est-ce qu'il attend de moi. C'est ça, parce que lorsqu'on est dans ce genre de moment, on attend de Dieu. On attend de Dieu, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi pendant ce temps où je suis peut-être pour les autres, j'ai peut-être échoué. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance.
Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance. Dieu attend de toi que tu restes focalisé. Dieu attend de toi que tu restes spirituel. Yes. Dieu attend de toi que tu restes une femme de prière, un homme de foi. Dieu attend de toi une fidélité. Yes. Dans ce temps d'échec, Dieu attend de toi une fidélité. Et c'est ça même, au fait, de la fidélité avec ton cœur. C'est ça qui va, au fait, te positionner. Amen. C'est même par rapport à ce que tu dis, en fait. C'est même là où tu tombes, en fait, ne t'éloigne pas. Ne fais que de te rapprocher. Yes. Va au GR, va aux réunions. Fais toutes les sorties que tu peux faire, parce que c'est là aussi où tu vas aller puiser, en fait, la source. C'est là, en fait, où tu vas aller, en fait, puiser, en fait, encore plus de passion, en fait. Donc, ne reste pas à terre, mais va dans des endroits, en fait, où tu pourras encore être plus motivé, en fait. Yes. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment encourager une personne, ne reste pas à terre, mais va là où vraiment il y a les enseignements, va là où, voilà, tu vas avoir le feu, ok? Amen. Amen. Moi, je relève vraiment un point important dans tout ce que vous avez dit, c'est le fait d'avoir une relation avec Dieu. Yes. Parce que j'ai perdu des responsabilité, ok, mais je n'ai pas perdu ma relation avec Dieu. Et c'est ce qui pousse certaines personnes à retrogarder, parce que elles sont dans l'activisme, elles servent et tout, mais elles n'ont pas cette relation avec Dieu qui fait que même en perdant des responsabilités, ben, je garde ces temps de prière, je garde ces temps d'intimité avec Dieu. Avec Dieu, je suis construite en Dieu, en fait. Amen. C'est vraiment important de chérir cette relation et de la garder. C'est le plus important. Oui. C'est le plus important. Hein, et vraiment. Oui, Rebecca, tu voulais rajouter quelque chose. Oui, en fait, je voulais juste rajouter, en fait, tu as parlé tout à l'heure, en fait, de David. Et j'aime beaucoup cet exemple-là, parce qu'en fait, David, il avait échoué aux yeux des hommes, mais il était qualifié, en fait, tout simplement, aux yeux de Dieu. Et pourtant, il n'était pas tout de suite devenu roi, hein. C'est-à-dire qu'il faisait quelque chose, il avait des choses, il avait déjà, en fait, cette base-là avant qu'il soit établi roi. Yes. Pour dire quoi? Tout simplement qu'en fait... La base, en fait, c'est ta relation que tu as avec Dieu. La base, c'est ta relation que tu as. C'est-à-dire que peu importe, même si tu as des responsabilités ou pas, il y a ta relation avec Dieu. Amen. Et ça ne doit pas changer, en fait. Ce n'est pas parce que tu as une responsabilité ou que tu ne l'as pas que ta relation doit défaillir ou que voilà, tu ne dois plus prier ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que c'est la base de tout. Yes. C'est la base de tout, véritablement. Moi, ce que j'ai vraiment compris, hein, c'est que même lorsqu'on dit dans la parole, au commencement était la parole, c'est vraiment au commencement était Dieu. C'est-à-dire au commencement, il n'y avait que moi et lui. C'est au commencement, avant qu'il y avait la responsabilité de JR, avant qu'il y avait toutes ces choses-là, au commencement, lui, c'est ça. Juste moi et lui, et c'est tout. Gloire et c'est Dieu. Tout. Et c'est ce qui doit continuer, même ensuite, à la suite, en fait. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, en tout cas, j'espère que par rapport à ça, vous avez compris. Faites confiance au Seigneur. Amen. Faites confiance. Faites confiance au Seigneur. En fait, ça me rappelle l'histoire de Moïse. Parce que Moïse va quand même... Non mais Moïse, Moïse, on lui dit non, parle au rocher. Moïse dit non, le peuple là vraiment ils m'ont fatigué. Il va carrément faire le contraire de ce que Dieu lui demande. Mais ce que j'aime, c'est que même après la mort de Moïse, Dieu continue à dire mon serviteur. My God. Ça, au fait, non. Pour moi, les gens diront peut-être que c'est un échec ou je ne sais pas moi quoi. Pour moi, c'est un temps où Dieu prend le soin de travailler quelque chose. C'est vrai. Et ce que j'aime dans cette histoire avec Moïse, et même j'ai eu la grâce d'être enseignée par rapport à Josué, et on voit qu'au fait, on ne peut pas aller à Canaan avec la mentalité d'Égypte. Ce n'est pas possible. C'est que pour que Dieu puisse t'élever, à un moment donné, s'il y a des choses qui ne vont pas avec Canaan, il va travailler. Il va travailler et parfois, ça prendra le temps que ça va prendre, mais fais confiance au Seigneur. Yes. Parce que lorsque Dieu promet une chose, il la réalise. Si tu vas là-bas là, sans travail, il la réalise. Mais oui, mais exactement. Tu vas mourir. Exactement. Parce que aujourd'hui, non, il faut quand même le dire, parce que tout le monde veut des responsabilités. Mais des responsabilités, au fait, oh mon Dieu, on ne donne pas des responsabilités à une personne qui n'est pas formée. Moi, je suis désolée. C'est vrai. On ne peut pas donner des responsabilités en sachant qu'au fait, cette personne va mourir là-bas. C'est comme si Dieu prenais est trop une personne. Mais oui, Dieu est trop bon. T'aimes trop, c'est comme si tu prends une personne lambda comme ça, et puis tu le prends, tu dis, écoute, je te donne une arme, après tu vas aller en guerre. Mais il va mourir. Il va mourir, et ce n'est pas possible. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas t'envoyer comme ça en disant, allez, vas-y, va mourir. Non. Dieu prend le soin. Au fait, de te travailler, de travailler le potentiel qui est au-dedans de toi. Alléluia, pour que lorsqu'il va t'envoyer aux yeux des gens, qu'on dise waouh,
Mais c'est ça. Lui, wow. Là, il a Dieu. Bon, il faut quand même savoir que Dieu ne prend pas aussi des personnes parfaites. Il les travaille aussi au cours de route. En cours de route aussi, il les travaille. Gloire à Dieu. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfait, parfait. Okay. Maëlys, Dieu va te travailler. Maëlys, là, elle règle ses comptes, là. Quand même. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste, du coup, avoir les avis des Parisiens? Parce que les Parisiens, on veut vous entendre. Donc, je laisse notre régie faire son travail. Hello guys, j'espère que vous allez bien, que vous portez merveilleusement bien. Alors, je reviens pour un micro-trottoir. C'est vrai, ça fait longtemps, mais je suis de retour. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler ? De l'échec. L'échec, peut-être scolairement parlant, professionnellement parlant, même dans l'entrepreneuriat. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Soyez aux aguets, c'est maintenant. T'as pas la même. Bonjour, je suis avec qui ? Bonjour, je m'appelle Xenia. Ok, Xenia. Joli prénom. Rodney. Sophia. Lou. Et Juliette. Ok. Est-ce que tu as déjà connu l'échec dans le milieu, à l'école, dans le milieu du travail, l'entrepreneuriat ? Bah alors, moi, je pense qu'il y a des gens qui appellent ça l'échec. Enfin, pour moi, pas vraiment, parce que ça m'a permis d'avancer sur d'autres choses. Même si oui, niveau scolaire, j'ai pas forcément réussi, on va dire, dans le sens où je me suis arrêtée au bac. Et toutes les études que j'ai fait après, je les ai arrêtées, quoi. Ouais, au niveau de l'école, j'ai déjà redoublé une fois mon année scolaire. Non, du tout. Non, enfin, pas spécialement. Alors moi, personnellement, oui. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu es parvenu à arrêter les études juste après le bac ? Bah je savais, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire et j'ai voulu tenter plusieurs écoles dans différents domaines et ça m'a pas plu. Okay, est-ce que tu peux nous expliquer à peu près qu'est-ce qui a fait que tu as redoublé ? C'était période de Covid, donc c'était plein de cours à distance, j'allais pas forcément, donc ça fait qu'il y avait un relâchement dans mon travail et que j'ai redoublé mon année, on va dire. Du coup, selon toi, qu'est-ce qui peut amener à l'échec ? Choisir pendant une mauvaise spécialité et pas réussir dans ce qu'on a choisi, du coup. Je pense le manque de motivation, peut-être manque d'objectif. Par exemple, ils se fixent un objectif, mais au final, ils n'arrivent pas à l'atteindre, donc voilà. Ok, qu'est-ce qui a fait que du coup, est-ce que tu avais un bon mental quand tu as redoublé ? Comment tu te sentais en fait, quand tu as redoublé ? Franchement, au début, assez mal. Parce que c'était un échec en vrai. Quand tu redoubles, c'est dur. Genre, c'est toujours dit dans notre vie, jamais redoubler. Donc au final, ça m'a fait chier un peu. Mais après, je ne me suis pas laissé abattre. Et ça m'a permis, quand j'ai refait mon année, du coup, comme j'avais déjà validé des matières, ça m'a permis de faire autre chose et de couvrir plein de choses à faire, de nouvelles passions. Et ça m'a ouvert d'autres portes, on va dire. Ok, du coup, est-ce que tu peux raconter rapidement, brièvement, un peu comment ça s'est passé, comment tu as vécu l'échec et tout ça ? Alors, j'ai assez mal vécu l'échec, étant donné que je suis dans une famille quand même qui compte beaucoup sur la réussite. Mmh. Et en fait, comme étant donné que c'était principalement ma faute, la procrastination et tout, je m'en suis énormément voulu. Mais aujourd'hui, je m'en sors mieux. J'arrive à bosser, caler mon temps. Donc aujourd'hui, oui, on peut dire que je suis en réussite, mais j'ai eu vraiment des périodes assez dures où du coup, j'avais plus aucune confiance en moi, en fait. Et je remettais toutes mes compétences en doute. Comment tu as fait pour te relever, du coup, pour ne pas être dans ce mood-là, à ressasser le passé, à ressasser le redoublement que tu as vécu, en fait ? Je me suis intéressé à d'autres choses. Je me suis ouvert, commencé à parler à de nouvelles personnes. J'avais plus de temps, donc j'ai fait forcément plus de choses qui ne me laissaient pas le temps de faire quand j'étais en temps plein en cours. Et voilà, tout simplement. Je pense que mon entourage, j'y suis aussi bien entourée. Et c'est bête, mais quand en fait tu te retrouves entourée avec des gens qui ne bossent pas spécialement et tout, tu n'as pas envie de te forcer, en fait, t'as envie de rentrer dans le moule. Et en fait, changer aussi son entourage, changer de groupe de pairs avec des personnes beaucoup plus investies et tout. En fait, t'as envie de bosser parce que les gens, en fait, te mènent vers le haut. Et là, actuellement, t'as trouvé une autre alternative qui fait que, du coup, t'as trouvé ce qui te plaît où tu peux t'épanouir et en même temps trouver de quoi subvenir à tes besoins. Oui, bien sûr. Maintenant, je travaille parce que je me suis rendu compte que le monde du travail, ça me correspondait plus que l'école. Du coup, je travaille dans un restaurant. D'accord, ok. Et là, du coup, tu t'y plais, tout se passe bien, la réussite est là, quoi ? De base, j'aimais pas la restauration non plus, mais là, je m'y plais parce que c'est particulier, c'est une ambiance assez spéciale, on va dire, c'est assez familial et moi, je suis très contact humain, faut que je m'entende bien avec mon équipe et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Donc, même si j'aime pas forcément la restauration, tant que l'ambiance, elle est là, moi, je suis heureuse, quoi. Un conseil pour les personnes qui nous regardent, pour qu'ils puissent ne pas rester dans l'échec, mais plutôt avancer, ne pas ressasser cet échec-là.
bah, faut s'ouvrir au monde. Il y a plein d'opportunités. Et un échec, ça n'est pas, c'est pas forcément une fatalité. Si, si tu as un échec et tu restes par terre, bah, ce sera toi qui resteras par terre tout seul. Si tu ne te relèves pas, bah, personne ne va te relever. Et dans la vie, ça va vite. Hein. Chacun a sa vie. Et si toi, tu ne prends pas en main ta propre vie, personne ne va le faire à ta place. D'accord. Merci beaucoup, Rodney. Moi, je dis qu'il ne faut jamais baisser les bras. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et que ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois, deux fois, trois fois, même 10 fois que c'est fini. Quoi. Donc, je pense que tout le monde a une voix quelque part. Tout le monde a... Pour moi, il y a quelque chose, il y a un travail qui correspond pour tout le monde. Donc, on peut trouver, même si c'est pas forcément ce qu'on voulait de base, je pense que si on baisse pas les bras, on va trouver. Vous démotivez pas, pardon, et puis tout le monde pourrait, enfin, un peu réussir dans la vie. Donc voilà. D'accord, merci Sophia. Bah, qu'il faut pas perdre confiance en soi et que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas dans un domaine que on est voué à l'échec partout et que faut se faire confiance et s'écouter, voilà, et surtout pas perdre confiance en soi. Et très bien, et toi? Faut pas douter de soi, parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même très important, que si c'est pas parce que t'arrives par exemple dans une filière générale, t'arrives pas, il y aura beaucoup d'autres filières comme technologiques et tout où tu trouveras clairement une passion. Faut pas se dire c'est parce que tu rentres dans un moule où les gens y sont que il y en a d'autres qui ne sont pas accessibles. Je pense qu'il faut ouvrir sa vision et y foncer, quoi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup les filles. Merci. Au revoir. Wow guys. Je crois que la reprise là c'est un peu compliqué, mais ça va quand même parce qu'on a galéré à trouver des personnes, mais c'était quand même un micro-trottoir qui était assez cool parce qu'on a des réponses pertinentes, des personnes qui ont été agréables. Et franchement, c'est agréable quand même de parler avec des personnes pour avoir un peu des témoignages et tout par rapport au milieu scolaire, au milieu professionnel, au milieu plutôt entrepreneuriat. En tout cas, c'était génial. Je vous dis à tout de suite sur le plateau de Push Me Up. Merci beaucoup Aurélie. Merci en tout cas pour cette rubrique. Alors, l'échec scolaire, c'est quelque chose. L'échec scolaire où les personnes, carrément, ils n'ont plus d'estime de soi, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Vous avez vécu ça, l'échec scolaire? Oui. Moi, j'ai failli, au fait, redoubler, mais gloire à Dieu, je suis trop intelligente. Amen. Donc, nous, on est bêtes, hein. Nous qui avons redoublé, là, on est bêtes. Ceux qui ont redoublé, là. Ceux qui ont redoublé. Pour rigoler. Ok, moi, j'ai déjà, redoublé. Après, je vois pas ça comme un échec scolaire. Bon, j'ai redoublé le CP, mais c'était pour des raisons, d'accord? Donc, quoi? Attention, hein. Non, parce qu'en fait, moi, j'étais en famille d'accueil. Et en fait, je changeais tout le temps d'école. En fait, même avec ma maman, c'était compliqué. Elle nous amenait pas trop à l'école. Et du coup, ça fait que quand je suis arrivée au CP, en fait, j'étais tellement timide et je parlais pas, en fait, qu'en fait, ils m'ont fait redoubler. Ah oui? Mais c'est pas pour raison que j'étais pas. Après, là, en avançant, j'ai jamais redoublé. Mais les personnes qui ont redoublé, c'est pas grave. Hein. Ça n'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Oui, moi, j'ai redoublé aussi. Mais. Elle était là depuis tout à l'heure. Elle était là et tout. Elle écoutait parce qu'elle savait que c'était son cas. Vas-y, oui, mais c'est pas pour. C'est pas pour des raisons. Enfin, moi, j'ai redoublé quand je suis arrivée en France. J'ai dû refaire ma deuxième année à l'université. Oh. Et pour moi, franchement, c'était un échec parce que je n'avais jamais redoublé. J'étais toujours dans la liste, dans la tête de classe et tout. Et donc, de refaire une année, pour moi, c'était trop compliqué. C'était Mais au fait, refaire échec. Pourquoi? Parce que tu as échoué ou bien parce que non, par rapport à ton niveau, il fallait faire un truc? Alors, il faut savoir que quand on arrive en France et qu'on a étudié à l'extérieur, à l'étranger, généralement, ils font plutôt une validation des diplômes, enfin, par rapport au niveau, par rapport aux matières que tu as faite. Exactement. Et donc, du coup, moi, j'avais eu une inscription en deuxième année au lieu d'avoir une inscription en troisième année. D'accord. Et ouais. Pour toi, c'était vraiment une catastrophe. Oui, c'était un échec. Pour moi, c'était difficile d'aller en cours parce que pour moi, il fallait que je fasse absolument la troisième année. Mais heureusement que j'ai fait cette année parce que ça m'a permis de pouvoir avoir les bases, en fait, sur le droit, le droit constitutionnel, le droit civil et tout. C'est des choses que je n'avais jamais faites. Le droit administratif, et ça m'a permis de pouvoir aimer cette matière-là. Aujourd'hui, je m'en sers. Donc, finalement, c'était une bonne chose de refaire cette année-là. C'était une bonne chose. Finalement, ce n'est pas vraiment un échec. Non, mais sur le coup, c'était un échec. Ah, ok. Wow. Toujours chercher ce qui se cache derrière. C'est ça. C'est important. Quelqu'un d'autre? Moi, du coup, je ne sais pas si je peux considérer ça vraiment comme un échec ou pas. Mais en fait, moi, je suis en pleine réorientation scolaire, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que moi, j'avais pour but, j'ai eu mon diplôme en juin dernier, de me réorienter dans mes études à l'université pour faire autre chose dès la rentrée de septembre.
Et bah, il s'avère que bah, je n'ai pas eu d'université. Et sur le coup, en fait, je l'ai pris comme un échec. Parce que j'avais, on va dire que bon, j'étais quand même une personne qui avait quand même assez de fierté. Moi, je voulais tout enchaîner. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de... Yes. Je prends une année sabbatique, ça, ce n'était pas dans mon terme, vraiment. Désolée. Qu'est-ce qui se passe? On l'a perdu sur le plateau. Reviens-nous. Voilà. Mais tu sais, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que des fois, en fait, les gens, ils ont peur, en fait, de perdre du temps, en fait. Et moi, je sais que pour ma part, en fait, je ne pourrais pas me réorienter. Parce que, bon, je sais déjà que la formation dans laquelle je suis, c'est Dieu qui m'a envoyé dedans, ça, je suis sûre. Mais en fait, j'avais l'impression que si je serais dans une autre formation, en fait, j'aurais peur de... Pas peur, mais en fait, j'ai l'impression que se réorienter... Enfin, je n'aurais pas la... Comment expliquer ça? Mais en fait, des fois, les gens, ils ont l'impression de perdre du temps, en fait. Ils préfèrent, en fait, finir l'année, finir l'étude, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, la formation qu'ils sont en train de faire, au lieu de changer, en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on perd du temps, en fait. Bon, yes. Après, je ne sais pas votre avis, vous. Oui, bah, non, on ne perd pas du temps. Enfin, on apprend de nouvelles choses. Enfin, tu te réorientes, tu apprends de nouvelles choses, tu apprends de nouvelles compétences, enfin voilà quoi. Et puis faut vraiment pas se dire, enfin moi j'enseigne aujourd'hui et je vois certains parents en fait qui peuvent. C'est vrai que toi tu es dans ce milieu-là. Oui. Oui. Et tu rencontres au fait voilà. Des jeunes qui peuvent. Exactement, qui sont dans cette situation-là. Et il y a beaucoup de parents qui peuvent mettre la pression à leurs enfants par rapport à l'échec, par rapport au fait de redoubler une classe et tout. Ah oui. Parfois, les enfants ne sont simplement pas dans la voie qu'ils devraient suivre. Et ben, c'est un peu normal que ça arrive. Et donc, du coup, il faut avoir aussi cette maturité de se dire que l'enfant a le droit de reprendre une classe, l'enfant a le droit de changer d'orientation. Ça peut perdre une année, mais vaut mieux perdre cette année-là que de faire, de valider un diplôme qui ne nous correspond pas et finalement perdre des années après, en fait. Et après des échecs comme ça, comment on garde espoir? Alors, comment on reste focalisé? Focalisé, en tout cas, sur la réussite et non sur l'échec. Comment on fait? Bah, je pense regarder aussi sur du long terme, parce que peut-être que oui, si tu t'arrêtes là tout de suite, t'es dans l'échec selon toi et tout, mais plus voir sur du long terme, dans le sens où cette césure ou peut-être le fait d'avoir perdu une année, en fait, va te permettre, en fait, de comme bah, toi, tu l'as pu le vivre, ça a pu consolider, en fait, tes compétences dans certains domaines, et sur du long terme, bah, là, tu arrives à t'en servir. Mais si tu n'aurais pas vécu ça, bah, plus tard, en fait, tu aurais eu des conséquences plus tard. Donc, voir, en fait, que là, ça te permet de pouvoir te poser, vraiment acquérir tout ce que tu as à acquérir, et c'est des choses que tu n'auras pas à faire plus tard, tout simplement. D'accord. Là, par exemple, on parle de tout ce qui est scolarité. Mais les personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver du travail, par exemple, pour eux, c'est un échec. Quel conseil vous donneriez, au fait, à ces personnes qui n'arrivent pas... Augmenter sa valeur. Parce qu'en vrai, c'est ça, en fait. En vrai, si tu n'arrives pas à trouver du travail, je pense que c'est juste qu'il faut que tu développes encore des compétences. Il faut que tu persévères aussi parce que, bon, pas trouver du travail, ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a, ils sont allés à un entretien. Pour eux, ça y est, c'est un échec. Alors que non, il faut persévérer parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Peut-être que toi, tu es allé dans un entretien, mais tu ne savais pas que ce travail allait te pousser à travailler le dimanche. Donc, tu vois ça comme un échec, mais en vrai, non, ce n'est pas tant un échec que ça. Il faut que tu persévères et que tu travailles ce qu'il faut travailler, parce qu'en vrai, quand tu ne réussis pas certains entretiens, tu ne réussis pas de trouver du travail, bah, y a des causes. Et vraiment les identifier et travailler sur ça. Peut-être que la cause, c'est que tu n'as pas eu un diplôme. Bah, va d'abord aller chercher ce diplôme, et après, bah, tu retourneras... Yes. Moi, par rapport à la question que je viens de poser, il y a un truc qui m'est remonté, en fait, et c'est un conseil, en fait, qu'il nous a donné, notre professeur à l'école, et il nous a dit, en fait, d'être fort de proposition. Dans le sens, on est dans une période, en fait, où on recherche un stage, et il y a certaines personnes, en fait, qui ne trouvent pas de stage, et on peut même lier ça au travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les recruteurs, en fait, ils ont beaucoup, en fait, de personnes, en fait, qui se proposent. Et le problème, c'est quoi? C'est que des fois, en fait, ces personnes-là, en fait, ont le même profil, ont le même CV, ont la même lettre de motivation, et même les entretiens qu'ils passent, bah, c'est toujours la même chose. Et le truc, c'est quoi? C'est que ce prof-là m'a dit,
sois fort de propositions. Dis-leur ce que toi, tu peux leur apporter en fait dans l'entreprise. Yes. Et pas se dire, oui, j'ai des compétences dans ci, ça, ça. Non, vraiment être différent et leur dire, non, je pourrais vous apporter ça, je pourrais vous apporter ci, ça, ça. Et c'est là, en fait, que là, le recruteur, il va pouvoir faire la différence, en fait. Il va même retenir, en fait, l'entretien que tu as passé avec lui. Et il va se dire, non, cette personne-là, je vais la prendre parce qu'il est différent, en fait. Elle a proposé quelque chose de différent et pas comme les autres. Donc, moi, je dirais plus être fort de proposition devant le recruteur et lorsque tu es dans ton entretien, en fait. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que parfois on peut se dire je vais passer l'entretien, la personne elle a mon CV sous ses yeux, elle a ma lettre de motivation, donc elle sait ce que je veux, elle sait ce que je suis. Alors que l'entretien, faut le saisir comme une opportunité qu'on te donne de pouvoir dire ce que tu es, dire ce que tu fais, sais faire, te vendre en fait. Yes. Donc il faut travailler les entretiens comme ces opportunités uniques qu'on te donne, yes, pouvoir montrer qui tu es. Mm. Propose-toi, enfin montre-toi à la personne comme si tu te connaissais assez et qu'il n'y a que toi qui peux bien parler de toi. Yes. Même si tu as écrit sur le CV, même si tu as donné une lettre de motivation, la façon dont tu te présentes, dont tu te présentes pendant l'entretien joue de beaucoup. Yes. Et si tu passes beaucoup d'entretiens, mais finalement tu n'as pas de réponse, bah, déjà tu peux, pourquoi pas, rappeler les personnes avec lesquelles tu as passé ces entretiens-là, mm-hmm, pour leur demander pourquoi on ne t'a, yes, pas retenu. Si elles peuvent le répondre, ça peut te permettre de pouvoir travailler certains points. Mais aussi, regarde des vidéos sur Internet, sur les entretiens. Ne va pas un entretien avec, yes, un chewing-gum, s'il te plaît. Brosse-toi les dents. Il y a des bases qu'il faut respecter. Quoi. Mais tu sais, par rapport à ce que tu dis, à la façon en fait de se tenir dans un entretien, je me rappelle que notre professeur en fait nous avait raconté en fait une petite histoire qu'une fille en fait elle était venue passer un entretien et juste une faute en fait lui a fait rater son entretien en fait avant même qu'elle le passe en fait, parce qu'en fait elle s'était brossé les cheveux, je crois, elle avait fait ça devant les recruteurs. Pendant, je sais plus du tout, mais je sais qu'elle avait fait ça en fait. Elle avait fait cette faute et en fait les recruteurs ils se sont dit non mais c'est pas quand possible, même, elle peut pas se permettre de faire ça. Alors ne va pas chercher loin le sorcier. Voilà exactement. Donc il y a aussi en fait un comportement à avoir en fait, une préparation, yes, même la tenue en fait. Tu dois venir bien habillée, même si tu dois mettre des talons. Va mettre des talons en fait. Moi je sais que je suis partie passer un entretien il y a pas longtemps et je suis venue bien en fait, bien tu habillé. Vois, tu te présentes, tu viens bien habillé, tu prépares bien ton entretien et voilà, ça va bien se passer. Il y a aussi ces personnes au fait qui ont le travail, qui travaillent pendant longtemps mais qui n'arrivent pas à obtenir au fait la promotion qu'ils veulent. Les attaques. Non. Moi, je pense que quand ça fait longtemps que tu cherches un travail, parce qu'il y a aussi ce domaine. Moi, je pense qu'il y a aussi ce domaine-là. Les attaques. Des fois, tu cherches depuis là, tu trouves pas. Des fois, ça peut être quelqu'un qui te bloque. Non, moi, je pense. Tu peux juste être médiocre. Ah, c'est vrai aussi. C'est tout. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Mais si tu n'es pas médiocre. Soit t'es médiocre, ou soit il y a quelqu'un qui te bloque dans le monde spirituel, parce que des fois il y a des personnes qui n'arrivent pas à dépasser des stades en fait. Tu cherches depuis, non, tu trouves pas. On va parler de ces deux cas. De ces deux cas. Allons-y. Qui commence? Comme vous voulez. Ok, moi j'ai parlé. Moi je parlais plutôt de l'aspect spirituel. Tu cherches depuis, non, tu trouves pas. Moi je te dis, il y a la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Bon, si tu n'es pas converti, si tu ne connais pas Christ, Christ a payé pour toi, donc je te conseille. Le prix de ton travail, de ta promotion. Je m'as compris. Mais en tout cas, il faut savoir que voilà, pour les enfants de Dieu, il y a la faveur et la grâce. Et moi, Amen, je te conseille vraiment de remettre ça en fait entre les mains de Dieu et devant moi en fait déclarer sur ta propre vie. Parce que lorsque tu ne déclares pas, il y a quelqu'un d'autre qui déclare en fait. Soit c'est les sorciers, soit c'est le diable, soit je ne sais pas, c'est ta propre famille qui est en train de déclarer en fait et qui est en train de faire. Ah mais c'est vrai, c'est vrai. Soit c'est ta propre famille qui est en train de déclarer ton échec. Donc il faut que tu prennes autorité en fait sur ta propre vie et tu commences. T'as coupé. Ok. Et que tu commences en fait à parler à ta propre vie en fait. Non, tu dois dire non. Je trouve du travail au nom de Jésus. Merci parce que ta main est sur moi. Vous voyez, vous faites des déclarations de feu. Tu te bats dans la prière. Ok. Amen. Voilà. Amen. Bah après pour. Non, en fait, moi j'aimerais juste rebondir parce qu'elle a parlé de la faveur et de la grâce de Dieu.
Et c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le cas. Mais comme on a, ben en plus, ces derniers temps, on a été enseigné dessus, yes. En fait, ça se provoque dans le sens où, oui, mais si, par exemple, tu viens toujours en retard au travail, si, par exemple, tu n'es pas dans l'excellence, alors que le Saint-Esprit qui habite en toi est excellent, si, par exemple, tu n'es pas dans la loi de l'honneur, parce que ça, il faut en parler, tu honores tes pasteurs, mais ton patron, tu ne lui dis même pas bonjour. C'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder. C'est vrai qu'il y a la faveur, mais je pense qu'il faut aussi la provoquer. Dans le sens où il ne faut pas se dire, bon, directement, il y a un sorcier dans ma famille. Non, en vrai, d'abord, fais le travail sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Et je pense qu'en Christ, on a la grâce, en fait, d'avoir les principes qui marchent. Il faut juste les appliquer, en fait. Amen. Et je pense que si tu les appliques tous et que là, ça ne marche pas, oui, potentiellement, il y a peut-être un sorcier, etc. Mais même en Christ, tu pries, tu intercèdes, c'est fini en soi. Mais surtout, il faut toujours avoir une vie de prière aussi. Parce que si tu vas avoir le Saint-Esprit juste quand tu as besoin de stage, c'est chaud. Il faut quand même avoir une vie de prière. Je mets juste ça, je place ça ici. La foi sans les œuvres est morte. Voilà. Alors moi, j'ai juste une question. Comment bien vivre au fait un licenciement? Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Comment on fait? Comment vous encouragerez cette personne qui nous regarde? Du coup, quelles paroles vous avez pour cette personne? Personnellement, j'ai jamais été licenciée. Mais je dirais, t'inquiète, relève-toi, ok, relève-toi. Parfois, on a des échecs, parfois on est licencié, mais moi, je me dis que ce n'est pas la fin. En fait, tu n'es pas mort, d'accord? Donc, tu as toujours cette possibilité-là de trouver autre chose, en fait. Il y a plein d'autres travails, il y a plein d'autres jobs. Même si ce n'est pas dans le secteur d'activité que tu faisais auparavant, tu peux quand même, en fait, aller postuler. En fait, ce n'est pas la fin d'une chose, donc... Je te dis, moi, je mets en avant, en fait, ici, la persévérance. La persévérance. Amen. Amen. Alors, en droit, on nous enseigne qu'il y a trois types de licenciements. Comment? Je ne savais même pas. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute lourde et le licenciement économique quand il y a baisse d'activité ou l'entreprise doit arrêter de travailler avec certaines personnes. Donc, déjà, il faut savoir dans quel type de licenciement tu te positionnes. Est-ce qu'on t'a licencié parce que tu as commis une faute au travail? Et dans ce cas-là, il faudrait que tu puisses travailler sur ce point-là. Okay. Tout à l'heure, Estelle, elle a parlé du retard. Bah, le recruteur, je suis désolée, il te paye, mais c'est pour que tu puisses être là à l'heure. Et donc, si on te renvoie pour ça, il faudrait que tu travailles sur ce point-là. Je ne vais plus m'hasarder à être en retard pour le prochain travail. Pour faute lourde, ça va être notamment par rapport au caractère. Tu viens, tu frappes ton collègue. Hein? Ah, et tu t'attends à quoi? Donc, dans ce cas-là, il faudrait que tu travailles ton caractère et que tu gardes la foi que tu vas avoir un autre travail. Amen. Maintenant, si c'est un licenciement pour cause économique, motif économique, dans ce cas-là, généralement, on va te donner une certaine somme d'argent pour te dédommager. Donc, sers-toi de cet argent-là pour lancer une activité, pour faire quelque chose. Et si tu veux retrouver du travail, tu en cherches. Il n'y a pas, comme tout à l'heure, Maïlys disait, ce n'est pas fini pour toi. Yes. Tu peux te relever, tu peux... retravailler sur ta personne, tu peux profiter aussi de cette occasion-là pour avoir de meilleures opportunités. Yes, amen. Il y a aussi des personnes qui ont travaillé longtemps dans un secteur qui veulent changer, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver au fait le travail qu'il faut. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont travaillé dans un secteur, mais là, ils veulent changer et par rapport à leur âge, par exemple, ils n'arrivent pas à trouver le travail. Comment on fait? Moi, je sais, en plus, je crois que les personnes qui sont assez âgées, et qui ont pas mal de diplômes et pas mal d'expérience, je sais que du coup elles sont censées être beaucoup plus payées que la norme, enfin que une personne qui vient d'avoir son diplôme. Donc peut-être que ça peut être ça la cause, dans le sens où tu peux coûter trop cher à l'entreprise comparé à ce que tu rapportes. Donc par rapport à ça, faire en sorte de rapporter plus à l'entreprise que ce que tu coûtes, ça veut dire développer tes compétences encore une fois. Après, c'est vrai que ça c'est pas facile, mais après pourquoi tu changes de secteur d'activité? Parce qu'en soi, est-ce que c'est avantageux pour toi ou pas? Vraiment te poser vraiment toutes ces questions et après réfléchir. Parce que c'est vrai que les entreprises, certaines, des fois, elles sont un peu mauvaises dans le sens où c'est pas forcément justifié leur choix. Mais aussi, comme tout, en fait, tu vas pas engager quelqu'un qui va plus te coûter que te rapporter. Donc, il faut aussi avoir ce discernement de se dire pourquoi et travailler dessus. Il y a aussi ces jeunes, au fait, qui rencontrent, lorsqu'ils vont chercher le travail, ils rencontrent cette phrase que j'aime pas entendre. Franchement, ça, c'est vraiment une phrase. Vous la connaissez? Je sais déjà. Vous la connaissez, la phrase, ou pas? J'avais plein d'expérience.
C'est ça, c'est cette phrase. Non, mais franchement, non, mais comment faire au fait pour avoir cette expérience alors qu'on ne nous laisse pas travailler? Exactement. Comment encourager le jeune qui nous regarde au fait par rapport à ça? Parce que c'est vrai que même moi, j'ai entendu cette phrase et je n'aime pas entendre cette phrase. Je n'aime vraiment pas entendre cette phrase. Mais comment vous encouragerez au fait le jeune qui nous regarde tout en sachant que lorsqu'il va frapper à la porte, on lui dit « Désolé, monsieur, vous n'avez pas assez d'expérience. » Bah, savoir qui tu es en Christ, ton identité, que tu n'es pas n'importe qui, en fait. Là, on va encore parler de la faveur de la grâce de Dieu. Mets toutes les chances de ton côté, applique les principes. Et moi, je pense que c'est aussi des moyens de travailler sa foi, en fait. Mm-hmm. Parce que tu vois, tous tes amis, tous tes collègues, bah, ils sont refusés. Oui. Et toi, tu vois, en fait, que tu es accepté, par exemple. Ça, en fait, ça va booster ta foi. Mais il faut que déjà ta foi soit vivante et efficace pour que déjà tu sois accepté. Donc, je pense vraiment travailler sur son identité en Christ. Parce que bah, le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il te met en fait le doute. Comme il avait tenté Jésus sur la montagne, en fait, il dit si tu es le Fils de Dieu, il remet en fait l'identité en Christ en question. Mmh. Mais si tu doutes, c'est que déjà il y a un problème. Il faut que tu sois sûr de toi. Tu es la tête et non la queue, la lumière du monde, le sel de la terre. Et tu sais que tu vas y arriver. Mais il faut travailler ton identité en Christ, ta foi dessus, et aussi mettre tout en œuvre, pratiquer en fait, bah, les lois, les principes qu'on connaît en Christ, et persévérer, parce que des fois, il faut persévérer tout simplement. Yes. Oui, Emma, tu voulais rajouter quelque chose? Ah non, Rebecca. Ok. Un peu pour appuyer sur le point que Estelle disait, c'était vraiment en fait de persévérer. Moi, je sais que lorsque j'ai fini d'avoir mon bac et tout, etc., sorti de lycée, je cherchais une alternance, mais pourtant, je n'avais jamais travaillé. Vraiment, c'est-à-dire que jamais j'avais touché un salaire ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'avais reçu plusieurs en fait, refus d'entreprises qui ne voulaient pas forcément me prendre, justement parce que je manquais d'expérience. Mais pourtant, en fait, j'ai persévéré. J'ai persévéré, j'ai continué et j'ai remis en fait, cette décision en fait, entre les mains de Dieu. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est remettre en fait, tout ce qu'on fait entre les mains de Dieu. Et finalement, j'ai réussi à avoir une entreprise justement pour avoir mon alternance. Et je pense en fait, au cas de Jacob. Lorsque l'Éternel va lui apparaître lors de la montagne, lorsqu'il était seul, Jacob va dire « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'es point béni. » Et des fois, il faut être comme ça. J'aime bien. Lorsque tu vas trouver un travail, c'est « Je ne veux pas lâcher », c'est-à-dire que je ne vais pas abandonner tant que je n'ai pas mon travail. Et c'est cette notion-là de vraiment de persévérer et de continuer. Même si tu ne vois pas forcément les résultats, Dieu a prévu quelque chose pour toi, en fait. Amen. Donc, voilà. Amen. Moi, je vais parler et aux entreprises. Enfin, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous suivent là, je vais vous parler. Hein? Non, vas-y. Oui. Et vous encourager, franchement, à donner leur chance à ces jeunes qui commencent, qui n'ont pas d'expérience, parce que franchement, ça peut être chaud, ça peut être démotivant pour les personnes. Et j'aimerais aussi parler aux jeunes, du coup. Parfois, on va chercher un travail, on a fini nos études, on a un bac plus 5 et tout, et on va chercher un travail dans le domaine dans lequel on a fait ses études et tout, et on ne trouve pas. Pourquoi ne pas commencer par quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce que tu attends pour développer des compétences transversales, donc des compétences que tu vas développer dans ce métier-là qui pourraient te servir dans le métier pour lequel finalement tu es appelé, dans le métier dans lequel tu dois finir. Donc, n'hésite pas à faire des stages, par exemple, hein. Intéresse-toi à des entreprises. Je vais tester, je vais aller faire un stage dans tel domaine juste pour voir ce que c'est, pour savoir aussi ce que j'aime finalement dans le monde d'entreprise, ce que je n'aime pas en fait. Donc ça va te permettre de développer ces compétences-là et d'être plus compétitif sur le marché du travail et finalement de pouvoir postuler là où on doit te prendre. C'est vrai que c'est aussi important de pouvoir, parce qu'il y a une phrase moi qui m'a tellement impactée, c'est le potentiel se révèle là où il y a un besoin, c'est-à-dire que c'est pas forcément être focalisé sur moi je dois faire comme ceci, moi je dois faire comme cela, mais c'est aussi se dire qu'au fait au-dedans de nous, c'est sûr on a le potentiel au fait pour répondre à ce besoin-là, et pourquoi pas comme tu disais aller vraiment s'intéresser à des formations et toutes ces choses pour pouvoir développer au fait les compétences qu'on a en nous. Et aussi, je sais que tu es quand même... tu touches un peu à tout. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu touches un peu à tout. Est-ce que tu peux nous parler de ce monde de l'entrepreneuriat? Le monde de l'entrepreneuriat? Par rapport à quoi? Par rapport à tout. Il y a tellement de choses. Il y a tellement Est-ce de que choses tu as rencontré, par parce qu'aujourd'hui, on parle de l'échec. Oui. Est-ce que tu as rencontré
Bah oui, il peut arriver quand on se lance, en fait, de se lancer, par exemple, dans le mauvais domaine ou de lancer un produit qui ne fonctionne pas ou de ne pas avoir les finances nécessaires pour se lancer ou simplement de commencer ou de mal commencer, de ne pas cibler la bonne clientèle. Et donc là, pour ne pas abandonner, bah, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, de se former, comme on a dit tout à l'heure, et surtout ne pas vouloir abandonner, parce que l'entrepreneuriat, yes, on voit, enfin, et c'est ce que le monde nous vend aujourd'hui, oui, des entrepreneurs qui vont à Dubaï, qui louent des jets, hein, les réseaux, voilà, sociaux là, oui, vraiment, si vous saviez, faut arrêter de nous mentir, pardon. C'est ça, et on ne voit que ça, et on se dit que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, et tout de suite ce sera ça, tout de suite j'aurai mon jet. Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a vraiment l'impression que c'est facile, on se dit c'est vraiment voilà, d'un coup, et puis c'est fait, et puis c'est bon, ben, on a les millions. C'est ça, alors est-ce que non, c'est vraiment le cas, ça dépend pour qui, hein. Ça dépend pour qui. Elle a regardé Estelle. Bon, peut-être qu'Estelle, elle a les millions. Hein. Non, c'est prophétique. Amen. Amen. Mais non, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est... En fait, pour moi, pour réussir dans l'entrepreneuriat, pardon, il faut la mentalité qui va avec. Pour moi, c'est ça qui va tout déterminer, parce que c'est un processus. Et en vrai, l'entrepreneuriat, c'est sur du long terme. Hein, parce que c'est pas comme les études où voilà, tu sais, voilà, tu fais la première année, la deuxième année. Là, tu sais même pas. La vérité, c'est que voilà, tu suis le flot du Saint-Esprit. Et après, tu as une vision et tu fais tout pour l'accomplir. Mais l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut d'abord, avant toute chose, pour éviter l'échec, se travailler sa mentalité. C'est quoi cette mentalité qu'il faut avoir ? Comme Emmanuel a pu le dire, ne pas abandonner. Parce que l'entrepreneuriat, il y a des choses que tu ne contrôles pas. C'est pas aussi... Voilà, c'est quelque chose... Il faut aussi être autonome. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. À l'école, c'est tu as un devoir, tu dois faire ce devoir. Alors que là, c'est toi, tu dois te donner des devoirs. Il faut les respecter. C'est plein de choses comme ça. Et même avoir cette mentalité de gagnant, en fait, dans le sens où même si là, c'est chaud, en fait, ne pas se baser sur ce que tu vois physiquement, mais aller plus loin, en fait. Aller sur le domaine spirituel. Avoir cette foi en ce que Dieu t'a dit. Et c'est pour ça que je pense que quand tu te lances dans ce genre de choses, peu importe le domaine en soi, il faut que Dieu t'ait parlé. Parce que mais sinon, ça peut te tuer, en fait. Yes. Si ce n'est pas ton appel, en fait, ça peut te perdre. Donc, il faut vraiment aussi avoir cette conscience de dire, est-ce que vraiment c'est là où Dieu me veut ? Et si oui, persévérer et croire au processus, parce que c'est long, mais franchement, ça en vaut le coup, en fait. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui, moi, par rapport à l'entrepreneuriat aussi, c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, de côtoyer des entrepreneurs autour de moi. Et ce que je remarque, c'est vraiment avoir un esprit fort et vraiment la mentalité. Amen. Si tu n'as pas la mentalité, ça ne sert à rien de t'engager vraiment, amen, dedans. Parce que tu vas finir par te perdre, en fait, tout simplement, parce que ça demande énormément, énormément d'efforts. Et des fois, tu ne vas pas forcément, en fait, voir le résultat tout de suite. Et c'est ce qui, des fois, peut te bloquer, en fait. Mais en fait, c'est justement de voir, en fait, là où tu veux emmener ton projet à long terme. Mm-hmm. Peut-être que tu ne vois pas forcément les résultats tout de suite, mais en fait, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que tu dois voir, en fait, à long terme, avoir une vision. Et si tu n'as pas, en fait, ce mindset-là, tu vas finir par tout simplement t'effondrer par rapport à ça. Mm-hmm. Et tu peux même, je connais même des personnes qui sont même tombées, en fait, en dépression carrément, parce que leur projet les a mangés, en fait. Et c'est vraiment ça, vraiment avoir un esprit fort et une mentalité vraiment véritablement forte. Mais avant tout ça, surtout suivre une formation déjà pour commencer. Et non, mais c'est vrai, parce qu'on parle d'avoir un esprit fort, une mentalité forte, c'est très bien, hein, mais il faut aussi que tu puisses suivre une formation pour te préparer au préalable et voir aussi, bon, les choses, comment expliquer ça. Mais une préparation comme ça, tu sais que sur le terrain, bon, peut-être que tu vas tomber, mais peut-être que tu peux aussi éviter des choses, éviter aussi l'échec. Du coup, voilà. Ok. Elle a fait une conclusion qui est vraiment digne de Maëlys. Et juste après, nous allons prier pour vous dans la minute push. Nous allons prier pour vous. Nous allons déclarer des paroles de foi, d'accord ? Amen. Des paroles qui vont vous booster et des paroles qui vont faire en sorte que vous ne puissiez véritablement pas baisser les bras. Alléluia. Ici, n'est-ce pas qu'il y a des conquérants, yes, il y a des combattants, alléluia, on est là pour ça. Et j'aimerais juste, par rapport au point qu'on a soulevé, j'aimerais que tu puisses conclure par rapport à l'entrepreneuriat. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un ? Moi, je dirais qu'entreprendre, c'est investir, c'est beaucoup d'investissement, investissement de sa personne, notamment, beaucoup de sa personne, beaucoup d'abnégation aussi, parce qu'il y a des sacrifices que tu devras faire,
qu'une personne salariée ne fera pas, c'est ton entreprise, c'est toi qui gères l'entreprise parfois. Donc il y a ces sacrifices-là que tu devras faire, que personne d'autre ne fera à ta place. Donc voilà, investis, ne lâche pas prise, hein. Investis, si pour une première fois tu as essayé, ça ne fonctionne pas, ben réessaie, revois un petit peu aussi les méthodes, parce que parfois tu peux avoir essayé une méthode, yes, qui a fonctionné avec telle, mais qui chez toi ne fonctionne pas, parce que simplement ton caractère, ta façon d'être, ta personnalité ne correspond simplement pas à cette méthode là ou tu veux te lancer dans un business qui ne correspond justement pas à ton tempérament. Et voilà, pour ne pas perdre ce temps-là, donc voilà, prends le temps de ne lâche pas prise, continue à investir, continue à travailler pour voir les fruits, et surtout ce que tu vas gagner, hein, ne t'en sers pas pour manger. Pardon. Ah, ça. Il faut bien séparer le pain de la semence. Et quand je parle de la semence, c'est ce que tu vas réinvestir aussi, ce que tu vas gagner. Donc tu as des premiers fruits de ton entreprise. Et une part en fait que tu vas toujours réinvestir pour que ça puisse continuer à tourner. Amen. Et j'aimerais juste aussi rebondir sur quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est de faire en sorte aussi de s'y connaître un minimum et de faire en sorte de développer ses compétences là-dedans, ou même d'être aidé côté administratif. Parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas forcément, on voit les personnes, là ils sont à Dubaï, c'est bien beau, mais il y a des démarches à faire. Et c'est relou. Et si vous ne le savez pas avant, en fait, ça va être même des sources de démotivation. Oui. Démotivation. Et en fait, c'est comme Mélisse, je pense, elle le disait, en fait, avoir tout en globalité. Ne pas juste voir, je vais gagner beaucoup d'argent. Non, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, même les impôts. Toutes ces choses-là, il faut tout connaître avant de se lancer, parce que peut-être tu vas te rendre compte que finalement, c'est trop tôt pour toi, parce que tu ne pourras pas assumer tout de suite. Et si tu sais tout, ça évitera l'échec, tout simplement. Amen, gloire à Dieu, merci beaucoup. Donc nous allons passer à notre minute push où nous allons prier pour vous. Alors je vais demander à Rebecca, est-ce que tu pourrais prier pour quelqu'un, une personne qui nous suit, une personne qui a écouté ce live, est-ce que tu pourrais libérer une parole pour l'encourager, une parole vraiment pour la booster? Ok, alléluia. Merci mon Père et mon Dieu, merci pour toutes ces personnes qui ont écouté ce live, et je crois qu'aujourd'hui Père éternel, quelqu'un a été impacté par ce message et veut remettre de la vie dans sa vie, remettre de l'ordre dans sa vie. Et je prie, Père éternel, si quelqu'un a été blessé par rapport à un échec, qu'elle puisse se relever. Je prie, mon Père et mon Dieu, qu'elle prenne ses échecs comme des leçons de la vie pour qu'elle puisse tout simplement aller de l'avant. Je déclare qu'elle ne se limite pas, que toute blessure qui a été causée à cause de ses échecs, puissent être tout simplement être restaurés au nom de Jésus. Je prie, Père, pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant, et je déclare, éternel, que tu puisses tout simplement agir dans chaque situation, et je déclare qu'ils sont la tête et non la queue dans tous les domaines qu'ils entreprennent. Je prie, mon Père et mon Dieu, afin que tu puisses les relever, que tu puisses redonner la motivation à quelqu'un qui avait pour but tout simplement d'exceller dans un domaine, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci à vous de nous avoir regardés. En tout cas, nous vous encourageons et nous vous demandons, nous vous conseillons même de persévérer véritablement et de ne pas baisser les bras, d'accord? Peut-être que ce temps est difficile pour vous, mais croyez au plan de Dieu et croyez que ce que Dieu a prévu pour vous est meilleur. Alors, nous vous disons à très vite pour les personnes qui nous ont suivis et qui ont été véritablement bénies par ce live. Si vous voulez faire un don à cette chaîne qui vous fait du bien, qui vous booste, en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez le lien qui est juste en bas. Vous pouvez le faire librement, d'accord? Nous prions véritablement que la grâce qui accompagne cette chaîne puisse accompagner vos vies là où vous êtes et dans tous les domaines de votre vie. Nous vous disons merci. Yes. Et à vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es déjà millionnaire. Tout est possible à celui qui croit.
on aura des méga church. J'ai de la valeur au nom de Jésus. La valeur de Christ est mienne. Vous souhaitez donner de la visibilité à votre business? Vous souhaitez augmenter votre clientèle? Étendre l'influence de votre marque est votre premier défi? Avec son lancement sur les box, Évangile TV vous offre un partenariat exceptionnel en diffusant votre spot publicitaire dans tous ses canaux de diffusion. Touchez des millions de personnes dans le monde francophone et augmentez votre image de marque grâce à Évangile TV. Nous vous accompagnons de la conception à la réalisation de votre spot. Que vous veniez de commencer votre activité ou que vous ayez déjà du succès, saisissez la grâce et accélérez en cette année 2023. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact au 06 52 58 83 60.